salle de bain. Bonsoir à toutes, bonsoir à toutes et bienvenue dans l'émission préférée des cochons d'Inde manchots austro-hongrois, aparté salle de bain. J'espère que vous avez passé une excellente journée et que vous êtes au taquet depuis 20h du soir à attendre notre exultation, notre bonne humeur, notre sentimentalisation et plein de mots en yon que je ne connais pas d'ailleurs la définition. Et oui, mesdames et messieurs, on reste dans le combo breaker. Ce soir, encore une fois, une émission exceptionnelle puisque je vais rien vous cacher comme d'habitude de toute façon. D'ailleurs, la prochaine émission, je le ferai entièrement nu, comme ça on ne pourra plus me reprocher de ne jamais l'avoir fait. On a beaucoup, beaucoup de travail en vrai. C'est la période des partiels, des rayons de soleil, des dossiers en esthétique et théorie du cinéma à rendre. Et pourtant, Aparté Salle de Bain est là encore une fois ce soir pour vous vendre de la bonne humeur, vous faire rêver, vous faire voyager, vous transporter, et ceci sans dépenser un seul dirham. Et vous fournir une excuse pour procrastiner. Eh ben, tu le prononces très très bien. À ma droite, il a l'immense honneur de remplacer Pierre-Emmanuel Motto. Je parle bien sûr de Mustapha de Score Plus. Salut Mousse, comment tu vas? Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bonsoir à toi Olivier, bonsoir à toi Jean-Alain. Alors, merci beaucoup. Un très très beau commencement avec l'utilisation du mot bonsoir x5. Voilà. Ce qui te fait 72 points. Bravo Mustapha. Juste avant de commencer, je passe devant Olivier. J'aimerais mettre un petit big up. Pour les personnes de Aparté Salle de Bain, parce que je les ai vus juste avant l'émission stressés pour leur dossier qu'ils ont à rendre pour demain. Bravo les mecs d'être là ce soir. À un moment donné, on est professionnel ou on ne l'est pas. Alors Mousse, ça nous fait très très plaisir que tu sois avec nous ce soir. Bien sûr, t'es invité quand tu vas à Aparté Salle de Bain, tu le sais, mais ce soir c'est une première pour toi. Alors j'ai envie de te demander, Mousse, heureux? Qu'est-ce que ça te fait? C'est beau. Ouais. À la droite. J'ai un peu peur. À la droite, je comprends. À la droite de Mustapha, il a une coupe de cheveux qui n'est presque pas ridicule. Il fait 4 m12. Il a un casque, des oreilles, un nez et du poil au menton. Je parle bien sûr de Jean-Alain. Salut Jean-Alain. Salut. Comment tu vas, mon ami? Écoute, ça va. J'ai une coupe de cheveux plutôt sympa. Je fais 2m8. J'ai des poils au menton. Et je crois que la vie, c'est ça. La vie, c'est ça. C'est tellement bien. On dirait du Bernard-Henri Lévy. Non. C'est te dire si c'est beau. Moi, j'aurais dit du Bernard-Henri Lévy, du coup. Le Bernard-Henri Lévy bien. Et on lui souhaite tout le bonheur du Lavillier. Monde. Dédicace à Cali. Alors, Jean, est-ce que t'es au taquet ce soir, prêt à nous vendre du rêve? Je suis au taquet, je suis à la serrure. Et je vais quand même demander à Mustapha s'il pouvait calmer cette érection. Parce que, bon, certes, c'est bien d'être ici avec nous, mais ça fait vibrer la table. Mustapha, c'est très gênant. Oui, je t'en remercie. À noter que je sais pas si ça transparaît à la webcam, mais Mustapha est très très content d'être avec nous ce soir. Et content, c'est un œuf. Bon, il y a des staps. Pas facile à dire. Voilà. À la technique de type technologique, il n'est pas disponible pour le moment. Il a fait une course éclair pour racheter du scotch. Je parle bien sûr de Félix. Félix est là et je suis sûr, il vous salue, il vous aime, il vous embrasse très fort et il est prêt à technifier de façon superbement splendide. Ou pas. Les gars, la 15e d'ASB, en tout cas, c'est aujourd'hui que ça se passe. C'est maintenant avec Mousse de Score Plus. Et j'ai envie de vous dire, c'est y part. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3. Et je l'ai dit avec ma voix la plus sensuelle une nouvelle fois. La plus virile, celle qui te caractérise le mieux. Bah écoute, parce que tu sais quoi, je me suis fait cette réflexion. En fait, je me suis dit, ceux qui te voient à la webcam, ils peuvent avoir l'impression peut-être que t'es de constitution pas forcément impressionnante. C'est vrai. Mais quand on te voit en vrai. Un tel charisme, quoi, c'est fou. Le bras d'Olivier, c'est deux fois mon torse. C'est vraiment une montagne de muscles. Quoi. C'est vrai. Mais j'ai musclé mon bras à l'aide d'exercices solitaires. Du qui m'ont fait beaucoup plaisir. Le brossage de dents du bilboquet. Le bilboquet également. Une passion à jour. Est-ce que tu as toujours. Vu le fameux film Bilboquet le Hobbit? Oui, Bilboquet le super Hobbit. Super sympa. Très, très bon. Par Peter Jackson 5. Peter Jackson 5. Adoré. Très très bon groupe de hard rock, soit dit en passant. Voilà. Bonsoir, Bob. Ça va, Mustapha? Ça va très bien. Ouais. Alors, Mousse, tu es le bienvenu évidemment pour participer, pour commenter toutes les chroniques, pour faire des dédicaces. Moi, j'adore. On est très content en tout cas de te recevoir. Ça fait plaisir. Alors, Jean. Oui. Jean, j'ai envie de te dire Jean. Et d'ailleurs, non, pour cette chronique, je t'appellerai Jean-Pascal de la Star Academy 4. Est-ce que je peux ajouter une particule? Bien sûr. Alors, Jean-Pascal de la Star Academy 4, une particule. Merci ce beaucoup. Soir, dans l'actualité, et toute la semaine, il s'est passé des choses de type incroyablement fantastique. Il y a eu un PSG-Barça qui a tenu toutes ses promesses. Il y a eu des choses incroyables. Un pigeon m'est tombé sur la tête. Attends, est-ce en backflip arrière. Peut-être qu'on peut respecter 3 heures de silence. On y va.
Jean, oui. Excuse-moi de t'interrompre. 3 heures de silence sur une émission de 2 heures, a priori. Si tu doubles sur le Quintet Plus. Clara Morgan est en fa mineur. Je relance de 8. Lara Fabian. Cabriolet d'or. Ah, bien joué. Merci. Alors, donc, l'actualité de cette semaine. Jean, je pense que c'est maintenant. Allez, et c'est à toi. C'est fil d'actu, fil. Fil. Alors, c'est devenu une tradition. En effet, chaque année, j'entends par là tous les 365 jours, sauf bien sûr les années bissextiles, la compagnie aérienne low cost Ryanair. Alors, si je peux me, si je peux me permettre. Si tu peux me prononcer. Bien oui. sûr. Ryanair. Ah, mais, tout en subtilité. Mais alors, ça, c'est très gentil parce que j'ai, tu sais que j'ai du mal à prononcer les mots. Je comprends. Donc tu m'aides quand tu veux. Hein. En français, ça fait la compagnie aérienne de Ryan, c'est ça? C'est exactement ça, Mustapha. Ah. Mousse écrit lui-même ses blagues. Et c'est aussi pour ça qu'on l'aime. Donc, merci. Cette fameuse compagnie de Ryan publie un calendrier dont les ventes permettent de financer des projets à caractère humanitaire. Alors, comment faire pour vendre un truc à caractère humanitaire vu alors, que normalement tout le monde s'en fout? Je t'écoute. Jean, juste peut-être qu'on peut préciser caractère. Oui. Humanitaire, c'est bien sûr tout ce qui est commerce d'esclaves, oui, ou de prostituées, tout ce qui est le trafic d'hommes, quoi. Thaïlande, Thaïlande, et toute autre taille. Et Pologne. Félix est de retour. Salut Félix. Bravo Félix alors. Félix, peut-être tu peux dire bonsoir alors à nos auditeurs. Bah maintenant je peux dire bonsoir. Ouais, j'ai un micro. Eh ben écoute, ça nous fait très très plaisir. Tu es le bienvenu. On ne sait pas participer. Pour combien de temps, mais pour l'instant ça nous fait plaisir. Donc cette fameuse. Moi c'est passé oui. déjà. Ça n'a pas duré très longtemps. Mais c'était pas mal. Hein. Merci Félix. Ah putain, moi aussi. Bon bah écoute, dommage. Félix. À la semaine prochaine. Alors comment faire donc? C'est simple. Les hôtesses de Ryanair ont accepté de poser en petite tenue. Hein, dans des poses très suggestives, du type prenez-moi contre un mur, j'aime ça. Ça fait rêver. Mais, c'est bon. Mais c'est exactement comme ça. Après, ça dépend, parce que si c'est toute la compagnie qui est low cost, moi je te sens bien refiler les manchots lilliputiennes, oui. tu vois, d'1m12, les femmes à barbe. En même temps, quand t'es hôtesse de l'air, c'est logique que t'aimes t'envoyer en l'air. Exactement, et Mustapha, tu as pris de l'avance sur moi, parce que j'allais en effet signifier que l'expression s'envoyer en l'air n'avait jamais été aussi vrai. IKEA propose dès à présent... Vous pourrez retrouver Mustapha dans toutes les salles de vos villages le 14, 15 et 34 août. Merci Mustapha, pour lui. Humoriste. Avant tout. IKEA propose dès à présent une gamme de produits nommée Allo, parodiant la punchline de la starlette brune dans une de ses publicités. Comment elle s'appelle cette demoiselle, Mustapha? IM. Non. Alors, non. Petite Evangélie. Petit indice, c'est les super na. Ouais. Quand t'étais petit dans la cour de récré, tu jouais avec des billes. Ouais. Prostituées. Et c'est une des notes de solfège de musique. La. Ça, ouais. Nabila. Donc ça fait Nabila. Ça fait la. Nabila. Bien. En effet. Alors il faut se dépêcher parce que ça part super vite. Les coussins à l'eau, par exemple, Nabila en a pris deux, donc un pour chaque poumon, si vous voyez ce que je veux dire. La vie de poissonnier peut parfois être risquée. Et la vie de poisson également. Si Nemo nous écoute, et je sais que c'est le cas, on est tout cœur avec toi. Nemo, prends soin de Dory, tu sais qu'elle a des problèmes de mémoire. Pourquoi la vie de poissonnier peut être risquée? Parce que Monsieur Huang, donc un Chinois jamaïcain d'origine malgache... Alors Huang, qui est, je pense qu'il faut signaler, l'inventeur du boomerang, qui consiste à envoyer un frisbee, une sorte de frisbee en bois, voilà, sur des indigènes, afin de leur ôter l'incisive droite. C'est le jeu préféré des sans-amis, d'ailleurs. C'est vrai, car c'est, il revient c'est, toujours à d'ailleurs, c'est le boomerang qui a causé la mort d'un candidat de Koh-Lanta récemment. Hein, c'est vrai. Qui oui. se l'est pris en pleine tête, tout simplement. Donc, c'est ça. Monsieur Huang, ce n'est pas très sympa. Alors qu'est-ce qui lui est arrivé à ce pauvre monsieur? Il a eu la peur de sa vie en découvrant une bombe, donc de type de genre pas une bombe, non, justement une bombe de type explosive. Attends, par contre, Mustapha, si tu ris tout le temps, ça va juste pas le faire. Ouais, c'est sûr, parce qu'on est une émission qui se veut sérieuse de culture et d'information avant tout. Enfin, et si tu nous décrépites, ça va pas le faire du tout. T'es bien compris? Je suis désolé, les mecs, mais bah oui, donc une bombe dans le calamar. Et on a finalement découvert. Non mais Alka. Non mais ça c'est dingue quand même. Mais... Al-Qaïda est de retour. Il infiltre non. vos poissonneries. Je vais placer ça discrètement dans ce poulpe. Personne ne s'en rendra compte. Non, mais c'est super. Tenez, Monsieur Barack Obama, vos fruits de mer. Mais cette huître n'est-elle pas un peu grosse? On voit pas un bâton de dynamite qui dépasse. Non. T'imagines les équipes c'est de plongeurs. Quoi. Bon les gars, ce soir on vise 3 calamars, ok? Un bâton de dynamite chacun, un par calamar, c'est parti. Non mais c'est énorme. Alors c'est pas Al-Qaïda. Hein, une enquête récente a prouvé que ce serait King Jong-un
Après l'échec de ses fusées, il tente l'agression par calamar. Et les gars, faites super gaffe. Kim Jong-un, c'est le seul dictateur au monde. Il met sur internet, dictateur cherche idée pour faire exploser les États-Unis. Et il a dû voir ça. Un mec était passionné, il s'est fait un kiff. Oh putain, les gars, j'ai trouvé. On va envoyer des poulpes, on va tout faire péter. C'est bon. Terrible. Méfiez-vous des poulpes. Hein. On ne le dit jamais assez. Quand exactement. Les poulpes auront des dents. Survez-vous surtout. Surtout survez-vous. C'est très important. Mauvaise surprise pour une famille de Montpellier. C'est terrible. Bon, déjà, ils habitent à Montpellier. C'est une mauvaise surprise pour eux. Alors qu'elle s'apprêtait à cuisiner des légumes congelés, une femme a découvert un cadavre de souris démembré, perdu au milieu des petits pois et des têtes de chou-fleur. Tu veux me dire qu'il y avait du chou-fleur dans la souris? C'est dégueulasse. En effet. En effet, donc, on le redit pour tous les enfants qui nous écoutent et pour les stats, les légumes sont dangereux pour la santé. C'est ça. Et pour le coup, aucune souris ne me contredira. Pour les walahmalades diététiciens qui nous font, il faut manger 5 petits pois par jour. Alors ça. Ah bah alors ça, si tu mets 4 souris dedans, je peux te dire que tu vas te les foutre. Ça cul. Je dis ça dans le respect de la personne. Modère ton langage tout de même, Olivier. On est en direct. Hein, en compagnie en plus de Mustapha, de notre Mustapha. Minorité visible. Comment que ça nous va? Sommes très fiers d'accueillir ce soir. Merci, bon, Mustapha. Sur ce, je vous laisse. Non, reste avec nous. Non, ne nous lâche pas tout de suite, Mustapha. On a le temps encore. Les riverains de la ville de Riazan. Alors, ouais, si je peux. New York. Non. Riazan. Ah, Ryanair. À 200 km au sud-est de Moscou, n'en reviennent toujours pas. En effet, ça se passe en Russie, hein, donc faites gaffe. Un pilote de alors, char. Ça se passe à Moscou ou en Russie, par contre? Riazan. 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 C'est ça. Au sud-est de Moscou, donc c'est pas loin de Moscou. Quand même. Un pilote de char russe qui était totalement rebou. Alors rebou, pour les jeunes qui nous écoutent, ça veut dire roué de coups, de exactement. Façon à ressentir une douleur vive au niveau des avant-bras. Et tituber, ne plus trop savoir ce qu'on fait, exactement. Puisque du coup la douleur nous fait perdre toute inhibition. Donc ce cher monsieur qui conduisait son char en rentrant de soirée, certainement. Fin de soirée assez classique, en fin de compte. A planté son char d'assaut dans un lampadaire de la ville. C'est vrai ça? Bien sûr. C'est vrai. Donc, il est à noter que la ville ne possédait qu'un seul lampadaire pour éclairer la grande place. Exact, et qu'il n'y avait qu'une route. Donc attention, en Mother in Mother Russia seulement, fuyez les lampadaires et évitez à tout prix les zones éclairées. Mais tu vois, on apprend des choses, parce que pour moi, lampadaire contre char, a priori, le char avait des chances de gagner quand même. C'est vrai que sur le papier, mais c'est comme donc, le PSG-Barça hein, dont on parlait. Évidemment, dont on ne parlait pas d'ailleurs. Non, si, tu en as parlé. Très rapidement. Très très vite. Un homme d'affaires australien, Clive Palmer. Palmer, puisque tous les Australiens ont des palmes à la place des pieds, vous évidemment, le savez tout autant que moi, a présenté les détails de son projet de Jurassic Park. Ouais. Alors, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut faire un parc géant, genre Yellowstone. Dans lequel Yellowstone, qu'on peut traduire par jaune pierre. Pierre jaune. Non, c'était un album des Beatles, Yellowstone. Ah, bah ouais, bah les gars. Une centaine de robots animés de dinosaures, donc grandeur nature, seraient dans le parc, vous voyez, se baladeraient, vous feriez des petites frayeurs et tout, et ça, c'est quand même génial, non? C'est ouf. Ce serait incroyable. Mais, alors, par contre, ça serait des vrais dinosaures ou des animatroniques? Alors, des animatroniques, évidemment. Mais ça existe déjà, hein, tu sais. Ah bon? Des maisons de retraite, il y en a partout. voilà. Pas mal. Alors, on pourra s'y balader à pied, en vélo, si Raptor. C'était la première. Se faire une petite terreur. Dactyle. Yeah. Non? Si, moi j'aime bien. Et slalomer sur le parcours proposé, hein, qui fait diplo. Docus. Merci. Alors, on continue avec Kim Jong-un qui a déclaré la guerre au monde entier. Alors, je pense qu'on sera amené à parler de Kim Jong-un régulièrement dans cette émission. Parce que c'est quand même pour l'instant le comique à la mode. Ah oui, le mec qui fait marrer le monde entier par ses actes. Et pour ça, Kim, merci pour tout ce que tu fais pour donc, nous. Donc, il a déclaré la guerre au monde entier, tout simplement. Il s'est dit, bon, moi je suis un Coréen. Genre, je maîtrise un peu les fusées, tu vois. Je vais me lancer. La guerre au monde entier. Alors, pourquoi? Parce que quand même, il n'a pas fait sans raison. Un Américain aurait jeté dans une poubelle africaine des ramen coréens. Et alors ça c'est dégueulasse. Ça, Kim Jong-un, il supporte pas. Ça, c'est dégueulasse. Il supporte pas. Mais c'est un affront incroyable. Du coup, il a décidé de lancer des roquettes sur chaque capitale de chaque pays dans le monde entier. Mais par contre, monsieur, peut-être on peut en parler quand même, parce que oui. il est d'un pathétisme rarement égalé rarement dans égalé. La communauté mondiale. Je veux dire,
Le mec, son pays doit avoir 4 habitants. 6 habitants. Ouais. 6 habitants. Un truc qui m'a fait beaucoup rire. Il y a deux paumés qui sont crachés en montgolfière. Mais en plus, personne n'a envie d'y être. Un truc qui m'a fait beaucoup rire. C'est la dernière Coupe du Monde, tu vois. Ils avaient présenté une équipe pour la première fois depuis longtemps. Ils n'ont pas voulu rentrer. Et ouais, ils ont perdu la moitié de leur équipe. Les joueurs, ils se cassaient dès qu'ils pouvaient. Ils s'en allaient. Non, je veux pas rentrer. Je veux pas rentrer chez moi. C'est d'une tristesse. Ils sont partis en prison parce qu'ils ont perdu un match contre. L'entraîneur en face eux ils jouaient sans chaussures avec des boules en bois, tu vois. En face, ils avaient Cristiano Ronaldo, mais ils devaient gagner 7-0. Ah non, mais c'est un pays de la mer. Donc bien évidemment, je propose que nous, à partir de salle de bain, on mette nos vies en jeu parce qu'on sait à quel point il est dangereux et qu'on décerne à Kim Jong-un le prix du dictateur le moins effrayant et le plus ridicule du monde. Mais viens, nous aussi on devrait déclarer la guerre comme ça à la Corée du Nord. Rien à foutre. Voir qui gagne. Rien. On y va avec des lance-pierres et on se bat contre eux. Mais par contre, c'est vrai qu'ils doivent avoir un rapport concentration soldats-habitants assez impressionnant là-bas, tu vois. 4 habitants, 3 soldats. Je pense, genre, tu sors dans la rue, tu vois 15 mecs au pas qui te disent bonjour, je pense. Enfin, écoute, c'est sympa. Non, ça donne un côté là-bas, tu sais, si tu traverses pas sur le passage piéton, c'est pas les voitures qu'il faut craindre. C'est la police, mais si elle te voit, elle te tire dessus. Bah ouais, ils ont pas de centre de tir, donc ils entraînent rien sur les rares mecs qui sont pas soldats, tu vois. Ou les bébés, les personnes âgées, mais bah, bien à un moment donné, il faut ce qu'il faut, tu vois. Alors, un jeune homme a été arrêté dans la nuit de vendredi à samedi après avoir tenté de dérober au Muséum d'Histoire Naturelle de Paris avec une tronçonneuse les défenses d'un éléphant ayant appartenu à Louis XIV. Alors, comment oui, il s'est... Louis XIV était friand d'éléphants. C'était consommé régulièrement. C'était un éléphantman, hein, je pense. Évidemment, qu'on peut dire, tout ça. Simplement. Consommé pour les amateurs de cuisine, il est consommé à la poêle, saupoudré de truffes de lampadaire. Et c'est sa partie préférée, c'était la trompe. La trompe, oui. Il faut bien le dire, qui est bien long. Alors, comment est-ce qu'il s'est fait choper? Parce qu'après tout, on doute que le coup est bien préparé quand même. Tu vas pas, mise homme d'histoire, voler une défense d'éléphant sans moyen. Tu dis déjà, il faut la transporter. L'éléphant, non, il est comment gros. Comment il l'a coupé, surtout? Avec une tronçonneuse. Ah, d'accord. Et c'est justement le bruit de la tronçonneuse qui aurait trahi sa présence. Ainsi. Mais ça, est-ce que tu peux expliquer? Parce que ça paraît complètement irréel. Ça paraît dingue. Je ne comprends pas. Ainsi, peut-être que le groupe électrogène et les 18 enceintes qui diffusaient du Skrillex en boucle. Qui aurait alerté les gardiens. Je comprends. Apparemment. Alors, mais au moins, il est original, tu vois. Il y a des mecs qui vont braquer une banque. Lui, il coupe un éléphant en deux. Déjà, il a le mérite, tu vois. C'est un beau gars. C'est la classe. Donc, on le salue s'il nous écoute en prison et on sait qu'il nous écoute en prison. Walid, on te salue. Un glacier iranien, Choupan, a présenté lundi à Téhéran, donc en Irak, hein, un pot géant rempli de 5 tonnes de glace au chocolat qui, espèrent les organisateurs, devrait faire son entrée au Guinness Book des records. C'est beau. Et moi, j'ai envie de dire bravo, parce que l'Irak, c'est un pays où il n'y a aucun problème. Non, mais c'est un pays où vraiment tu peux te consacrer à la création de glace en tout genre. Les gens vivent de bien. De saveurs parfumées. Les femmes sont respectées. Bah, complètement. Il y a à manger pour tout le monde. Et donc, bravo les dirigeants irakinois. Hein, bravo pour... Irakinoche, par contre. Je crois que c'est ça le terme exact. Bravo, dirigeant Irakinoche. On précise donc que le Canada, lui, pour contrecarrer ça, planche sur un pancake qui ferait 3000 tonnes. Bon, alors, c'est en cours, hein. Mais surtout, vous précipitez pas chez vous. Félix est déjà sur le coup. Il va partir en course juste après l'émission pour aller acquérir ces deux merveilles. Félix, on te souhaite bonne chance. On parle maintenant d'Hugh Hefner et de sa femme, Crystal Harris. Il faut savoir qu'ils ont 60 ans d'écart tous les deux, ouais, ce qui amène... Car la femme a 8 ans, je crois, c'est bien ça. Elle va sur ses 9 ans. Non, parce que Hugh Hefner a 89 ans maintenant. Pardon, 86. Donc ce qui fait, 86 moins 60, ça fait 26. Alors par contre, une question que je me pose, oui. Et je pense qu'il intéresse à peu près toute la planète entière. Est-ce que tu penses qu'il a encore des relations sexuelles avec ses partenaires féminines ou robotisées? Alors, j'en suis quasiment certain, au vu de la teneur de l'interview que je vais te dévoiler là. Enfin, par contre, à préciser juste, hein, si sa femme est avec lui, c'est uniquement pour son charme et sa présence d'esprit. Bien sûr. Évidemment. Le fait qu'il soit multimilliardaire n'a rien à voir. Bien sûr. Ben non. On est bien d'accord. Donc, Hugh Hefner, je ne sais pas si vous savez qui c'est, par contre, c'est le patron de Playboy, tout simplement. Ouais. Depuis super longtemps. Donc, En fait, c'est facile. C'est toujours. Ouais, moi aussi. Mais c'est toujours le mec, tu sais, sur les photos de groupe de Playboy. Tu vois 20 bonasses. Tu vois un papy qui s'est perdu en peignoir. Genre. Il sort de sa salle de bain, il a vu de la lumière, il est rentré. Excusez la tenue, je sors de la douche. Bonsoir. Exactement. Alors. Ouais, je pense. Mais enfin, peut-être, faut que ça fonctionne en bas, quoi, c'est ce que je disais. C'est ça. Donc, un journaliste, c'est parce que si t'as une très belle femme, tu vois, mais tu fais rien avec. C'est comme avoir une très belle cafetière et ne boire que du thé. Je pense que ma comparaison La comparaison est très parlante, oui. Merci.
Mais je t'en prie. Bah écoute, ça me fait plaisir. Très bien. Donc Mustapha, une réaction. Merci beaucoup à toi, Jean. Un journaliste est allé le voir et lui a demandé avec combien de femmes il pensait avoir couché. Alors, il a répondu, comment pourrais-je le savoir ? Plus de 1000, j'en suis sûr. Ah oh, putain. A répondu le fondateur de Playboy. Alors, plus de 1000 aujourd'hui ? Ou Alors, c'était hier, depuis. Ah. Évidemment. Est-ce que ça fait plus d'une femme par jour durant... pas toute sa vie, mais au moins... Non. 3 ans. Bon, on a... ça fait 4 ans de baisse. Alors là, dans le studio, je sais pas si vous voyez, on voit les yeux de Mustapha s'agrandir. C'est clair qu'il y a son héros. Ouais, c'est ça, le mec Attention, Mustapha, parce que contrairement à ce qu'on pourrait croire, il dit, il y a eu des moments dans ma vie où j'ai été marié, mais je n'ai jamais trompé ma femme. C'est ce qu'il dit. Par contre, il dit, je me suis rattrapé quand j'étais pas marié, parce qu'il ne faut pas perdre la main, évidemment. Alors, Dominique Strauss-Kahn... Enfin, le but, justement, de se rattraper quand tu n'es pas marié, ça serait de perdre la main, a priori, oui, justement. Pour mettre autre chose. Blague subtile que certains comprendront, certes. Et d'autres pas. Voilà. Donc, Dominique Strauss-Kahn a souhaité réagir et lui a posé une question, pour l'instant, sans réponse. Il lui a demandé simplement combien de femmes étaient consentantes. Parce que si tu n'en avais pas de consentantes, il estime pouvoir rivaliser. Quoi, là, c'est vrai. Et c'est avec l'intervention de Dominique Strauss-Kahn que se finit mon fil d'actualité. Bah écoute, merci beaucoup. Ça m'a fait vraiment plaisir. DSK, il a une technique qui est vraiment impressionnante. je sais pas si vous avez lu ça. Je crois que c'est dans DSK Magazine, le magazine qui... T'es abonné toi aussi ? Bien sûr. C'est génial. Une pépite, une merveille, la 8e merveille du monde. C'est un peu le grain de chocolat dans ton cookie que t'attends pas. Tu penses qu'il n'y en a plus ? C'est un peu la belle blonde sur le poster du camionneur. Non, pas du tout. C'est un peu la cerise sur le gâteau chocolat. Ça serait plutôt la bouffe sur le mangeard. C'est la dent dans le dentier que t'attends pas ? Ah, j'ai pas mieux que ça. Bien, yes, ouais. Merci. Alors, DSK... Du coup, je reprends le... Non, mais t'avais fini. Il commence par subtilement proposer un rafraîchissement. Alors, je te propose un exercice pratique. D'accord, je peux faire la... Jean, tu fais la créature en détresse. Très bien. Et Mustapha, tu fais le serveur. Ok. D'accord ? Mais tu es un serveur noir, muet, aveugle, chauve et qui mange des antilopes. Très bien. Tu es dans ton personnage, Mustapha ? Oh là là, j'ai une journée trop difficile. Bonsoir, jeune fille. Oh, regardez, un serveur noir, chauve, myope, aveugle, manchot qui mange des antilopes. Moquons-nous de Louis. Vous êtes tellement drôle. Merci. Voulais-tu un fraîche tea afin de vous rafraîchir le gosier ? Ah, oh, ce serait avec plaisir. Mais tu sais, il n'y a pas que le fraîche tea qui est fraîchement tea chez moi. C'est vrai ? Bien sûr que oui. Si tu viens dans ma chambre, je pourrais te montrer mes rideaux de douche. Oh, je suis pas sûr, maman m'a dit de rentrer avant 18h. Alors là, le silence que vous avez entendu correspond au regard méchant de DSK qui se saisit de sa victime à main nue afin de la traîner jusque dans sa chambre. Et en fait, pour pas qu'il y ait témoin, parce qu'on peut se dire, ouais, il est dans un lieu public, tu vois, il y a des gens qui gueulent. Oui. Il a payé le fameux... Et c'est là qu'il faut suivre. Il a payé le manchot pour lancer ses antilopes. Alors, sans les mains, il a une technique qui est assez développée. Il l'a saisi à l'aide de genoux, tu vois. Mmh. Et il se balance en avant comme ça. Je sais pas si vous voyez à la caméra. Regardez bien. Hop. Ouais, il se balance comme c'est ça. Vraiment un mouvement, voilà. Pour les jeter. Ainsi, subjugué par la beauté des cornes de l'antilope, les témoins sont complètement... Ils divaguent. Exact. Il divague en subterfuge, le traquenard du ver de terre, ils s'en vont, ils ne peuvent rien. Et c'est, donc rien et c'est de là que viennent les témoins de Jéhovah, parce que la première antilope lancée s'appelait Jéhovah. Jéhovah qu'on salue et qu'on souhaite que des bonnes choses. Alors merci beaucoup Jean-Philippe d'Actu, bien sûr ce n'est pas fini, ça revient très vite dans Aparté salle de bain. Aujourd'hui c'est la 15e tout au long de l'émission, n'hésitez surtout pas à commenter sur la page Facebook d'Aparté salle de bain, de vous faire plaisir en nous faisant plaisir. Alors faites-vous pas plaisir... Oui, non, dans le respect de la dignité de la personne humaine. Pas comme Moustapha. Vos parents regardent. Moustapha, est-ce que tu peux mettre tes deux mains sur la table, s'il te plaît ? Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Alors, tout de suite, moi, j'ai envie de vous faire... Vous savez, enfin, moi, je n'aime pas du tout, je ne bois pas d'alcool. Oui. Mais je sais que Moustapha adore ça. Alors, Moustapha, comme je savais que t'allais venir ce soir, ça fait 3 mois qu'on a invité, qu'on attend, on demande à Moustapha chaque semaine de venir. Il a enfin accepté notre invitation ce soir. Merci. Je vais te faire un petit top des différentes bières les plus originales qu'on peut consommer, qui sont donc en vente libre. Attends, non, petite pause. Vas-y. Alors, j'ai cru entendre. Oui. Dans mon petit casque, vas-y. Tu vois. Genre un d'une gorge, mais purement féminine et infantile, genre 5 ans. Alors, déjà, on a galéré pour avoir Mustapha dans cette émission, donc c'est pas cool de se foutre de sa gueule comme ça. Peut-être, je suis désolé. Non, mais c'est vrai. Mousse, tu vas rester avec nous, t'inquiète. Mousse, reste là parce que la première bière va beaucoup t'intéresser. C'est une bière pour nos amis les animaux. Et oui, nos amis les bêtes ne sont pas oubliés. Il s'agit d'une bière pour chiens au goût de steak. Putain. C'est vrai. Alors moi, j'ai goûté cette bière et j'étais agréablement surpris.
je veux dire, on sent bien un peu. Ce qui montre, enfin, il laisse les os dedans, tu vois. Donc, non, mais attends, en fait, mais... ça se mange plus que ça ne se boit. Mais c'est un régal en bouche. Dire, hein. T'es en train de nous dire qu'il y a des mecs qui sont payés pour inventer des bières au steak pour des chiens, mais. Et c'est non, mais dans les meilleurs métiers du monde. Je crois qu'on en parlera tout à l'heure. C'est juste un truc possible. On continue tout de suite avec la bilk. Alors rien de sexuel. La bilk, c'est tout simplement le mélange de bière et de milk. C'est une bière au lait. Donc bière au lait ou comment vous faire vomir en 3 gorgées, je pense. Mais ça aussi, j'aimerais vraiment beaucoup goûter ces choses-là. Moi, je sais pas si ça te fait envie ou pas. Si tu veux, je peux t'aider. Sous-entendu sexuel de Mustapha. Oula, qui me fait très très peur. Mustapha a sorti ses yeux lubriques et ça je n'aime pas. Range-les Mustapha. Range-les dans ta poche bien profond. La bière à la pizza. Ça plus aussi, classique. Ça doit donner envie de vomir ça aussi. Ouais je pense. Mais tout ça en vrai, en vrai j'ai vraiment envie de goûter tout ça. Ouais non mais bien sûr tu comme on goûte je sais pas. Des marshmallows au caviar. Des marshmallows au caviar, une truffe à la pastel. Un apple tini aux pommes cassis marmelade. Alors des... une pizza radurek. Ou alors ça. Les meilleures pizzas. Ça serait bien qu'on en goûte une. D'ailleurs. Une bière pour les gens tu sais. Pour les gens qui veulent se dire ouais ok je bois de la bière mais je suis quand même plus riche que toi c'est un enculé de merde fils de pute tu vois non. Il existe la bière au champagne alors l'intérêt tu vois tu descends 6 mètres sous terre et l'intérêt est à peu près à ce niveau là ouais. Mais ça montre que t'es riche t'as de la thune tu bois de la bière mais en restant swag alors, que t'as payé 800 euros en boîte du coup c'est de la bière c'est du champagne ouais. Et ben c'est un peu des deux tu vois oh là là. Très bien c'est comme le chocolat au lait c'est en même temps du chocolat en même temps de la menthe c'est pareil c'est le même principe impressionnant. Impressionné ? Bah, moi j'ai les tétons qui... Enfin bref, on en parlera après. Hein. La bière préférée des policiers également, la bière au beignet sirop d'érable bacon ou au donut chocolat. Alors, ça c'est au Canada. Ça c'est au Canada évidemment, sirop d'érable puisque bacon, c'est au Mexique. C'est forcément le Canada. Bien sûr. Enfin, une bière que ça obligeait un jour dans ma vie, j'en boirais juste pour le fun. C'est une bière en fait avec des composants jaune fluo qui fait que ton urine dans le noir... Oh là là, ça c'est dingue. Elle est phosphorescente, par contre ça peut être très dangereux. Ah bah ça peut être très dangereux. Oui, parce que c'est de l'acide en fait. Ouais, non, mais parce que jamais tu vas aux toilettes du coup avec ça. Tu veux le montrer au plus de personnes possible. Et je ferai une technique très prochainement sur comment séduire une fille en exhibant le son. Bref, on en parlera après. Bien sûr. J'espère que ces bières vous avaient fait envie. On vous mettra le lien bien sûr pour les acheter sur le Facebook d'Aparté Salle de Bain. Ça va soir. Bien sûr, puisque PE de toute façon est producteur. Hein. PE est producteur. Il cultive lui-même ses bières. Il fait pousser dans un petit pot dans son appart. Il y a un autre avantage assez incroyable avec ces bières. Notamment la bière à la pizza, ouais. C'est que tu vois, non seulement tu bois une bière, mais en plus tu as une haleine incroyable pour draguer les filles, et ça c'est juste génial. T'imagines l'euro de la bière à la pizza, parce que l'euro de la bière, déjà, c'est un truc assez crade. Mais d'ailleurs, je crois qu'ils ont, ils t'ont entendu, Jean, puisqu'ils ont, ils ont poursuivi cette idée et ils ont inventé la bière tout simplement au cadavre. Ils ont pris un macabé dans ce qui est le plus proche pour le parfumer. Attends, je pense que ça va vite déraper cette conversation. Alors, ce que je vous propose, c'est de faire tout de suite une petite pause musicale avec Macklemore, le groupe de rap et de hip-hop qui déchire en ce moment à London. On se retrouve dans moins de 3 minutes. Restez avec nous, on vous embrasse très fort et même qu'on vous aime un tout petit peu. Soyez intelligents. À toutes, ciao. This is my job, I will not quit it. Pull me out the depths when I thought that I was finished. Yeah, I question if I could go the distance. That's just the work, regardless of who's listening. See, I was meant to be a warrior, fight something amongst me. Leave here victorious, classroom of kids, or a venue performing. If I'd done it for the money, I'd have been a fucking lawyer. Concrete, vagabond, band telling stories. Humbled by the road, I'm realizing I'm not important. See, life's a beautiful struggle, I record it. Hope it helps you maneuvering through yours. That's why we stay in the lab at night. I've been staring into this pad for over half my life. A true artist won't be satisfied, so I guess that's the sacrifice. And I said, make the money, don't let the money make you. Change the game, don't let the game change you. I'll forever remain faithful, all my people stay true. I said, make the money, don't let the money make you. Change the game, don't let the game change you. I'll forever remain faithful, all my people stay true. Forget about the bank, fortune in the mansion. Sitting and tripping, watching myself on a plasma. Yeah, I start slipping when I'm thinking about that stuff. Ego once swole until karma catches that up.
how my grandma's number one grandson. I lost myself to remember who that was. We start thinking about some kicks, a necklace. What I really need is a job off Craigslist. Take away the .com, name, love, fans, the Twitter followers and the buzz. See, you keep the issues, but you take away the drugs. And I had to find out who I really was. Who I really was, and so sick of who I was becoming. Yep, tired of running. Time to look at the man in the mirror until I can learn to love him. Make the money, don't let the money make you change again, and let the game change you. I'll forever remain faithful. All my people stay true. I said, make the money, don't let the money make you change again, and let the game change you. I'll forever remain faithful. All my people stay true. Of course I want doves and a candy painted lac. Watch the videos and get the girls in the back. But if that's what I believe in and the reason that I rap, Uncle Sam is my pimp when he puts me on the track. Of course I want doves and a candy painted lac. Watch the videos and get the girls in the back. But if that's what I believe in and the reason that I rap, Uncle Sam is my pimp when he puts me on the track. Make the money, don't let the money make you change the game, don't let the game change you. I'll forever remain faithful, stay true, stay true. And I said, make the money, don't let the money make you change the game, don't let the game change you. I'll forever remain faithful. Stay true, stay true, stay true. Forget about the fame. I said forget about the fame. I'll forever remain faithful. Stay true, stay true, stay true. C'était Makes Money by Macklemore, qui veut dire plus de Mackle, s'il vous plaît, les garçons. Dédicace à Quentin d'ailleurs, si vous voulez qu'on vous passe. Et l'argent du beurre, s'il évidemment. Vous plaît. Alors ceci est prévu. Ceci est évidemment prévu. Pour c'était rebondir. La simplement. Liste de courses de Félix en fait, qu'il passait en direct à la radio. Et il rougit à vue d'œil direct. Ah là là. Ok, donc j'étais en train de vous dire, n'hésitez surtout pas si vous voulez qu'on vous passe une musique dans l'émission. Ça nous fait plaisir. Oui, ça vous c'est fait vrai, plaisir. C'est vrai. Ça fait plaisir au pape également. François ça nous fera premier. Plaisir aussi de refuser les musiques pourries. Quoi. On, bien sûr. On ne gênera pas. Pour mettre à la place du Justin ou du Carly Rae Jepsen un truc. Pur. D'ailleurs, on peut ouais. peut-être faire une petite dédicace à Félix qui a réinventé les Beatles avec Bangarang, tout simplement. Félix, on apprécie beaucoup. Alors, je vais profiter de cet aparté, salle de bain, bien sûr, pour parler d'un sujet grave dont on a vraiment hâte d'être de ce soir. Que oui. Alors, mettez cette phrase dans l'ordre qui vous convient. Mais tout simplement pour vous dire que l'air de rien, bah, la fin de l'année se rapproche dangereusement. Oui, et oui, qui oui, dit oui, fin oui. de l'année dit dernière émission. D'aparté salle de bain 2012-2013. Mais comment peux-tu dire ça? Alors même si ça remplit mon cœur de tristesse et me chagrine au plus haut point, ça sera une réalité, Jean. Dreams are my reality, comme disait Plainton. Et on devra Plainton. Plainton qui était un pêcheur bien renommé, mais tu sais, qui avait toujours dans son panier plein de thon. Bob Léponge a une théorie très intéressante sur lui, faudra que je te fasse lire. Eh bien écoute, ça m'intéresse, on en parlera hors antenne. Donc la dernière émission d'Aparté salle de bain se profile à l'horizon. Et on a prévu en fait de vous faire quelque chose de assez sensationnel. En fait, comment vous dire qu'on veut que notre dernière marque l'orgasme. Un peu les esprits. Alors, je vais pas trop en dévoiler aujourd'hui, je pense que ça serait dommage, mais on va vous prévoir un truc mieux que la salle oh là, de bain. Oh là. Alors les amis, soyez là, on mettra sur Facebook évidemment la date de cette dernière où on sera au complet, on sera vénère, une émission spéciale, on ne sait pas encore s'il y aura des invités, quelle surprise on vous prépare ou quoi, mais juste une émission à ne pas rater. Je pense que ce sera le genre d'émission, tu peux prévenir tes voisins comme si tu faisais un projet X chez toi. Quoi. Ouais, juste tu dis, attends, je prévenez les soirs. Alors ce soir, il va y avoir un peu de bruit par oula, contre. Voilà. Peut-être Aparté salle de bain va venir chez nous, on ne sait pas trop ce qu'ils vont faire. Ça mais en tout dingue, cas, ça va être chambé, comme disent les jeunes, swing in the machine. One, two, one, two. One, two, one, two. Les jeunes qu'on salue également. Alors Jean, avec la main, oui. Je crois me souvenir, il y a quelques semaines de type monacal, j'ai fait une rubrique de type rubrical sur les métiers pourris. Les métiers que jamais dans ta vie tu devrais faire, comme par non, exemple non. stagiaire à Radio Rec. Jordan, si tu nous écoutes, on te crache notre mépris à big la tête. Alors, dans ces métiers, je crois que Jean, tu as sélectionné une sélection pour le moins frivole, frugale, champêtre, rustique et stratosphérique. Tu n'oublies pas quelque chose ? Évidemment, elle était aussi carconyme. Je te remercie donc. En effet, à force d'écouter notre émission, vous êtes accro, vous ne faites plus rien de votre vie à part siroter bière, donc
qui peuvent être à plusieurs goûts, on vient de le voir. Et autre substance, dont je tairai le nom, vous contribuez aux statistiques sur le diabète. Déjà, rien que pour ça, je tenais à vous dire un grand merci. Merci ! Vous êtes dans les statistiques et ça, c'est classe. Ce soir, donc, après une longue et harassante journée, surtout une longue nuit de travail sur un dossier tout pourri. Alors, harassante concerne tout travail effectué au milieu de chevaux, donc dans un haras. Dans un haras. Et est-ce que tu sais que le haras le plus connu du monde, c'est le haras de la compagnie Kiri, donc le haras Kiri. C'est vrai. Qui a vu de nombreux suicides. Assez dangereux, par contre. Très, très, très dangereux. Le haraté, je crois, également, a pas mal fonctionné dans la vie de tous les jours. Super génial. Donc, je me suis dit que les journées pourries, c'est chiant. Et qu'avoir un boulot fun, ça fait une belle vie. Attends, je peux pas te laisser continuer là-dessus. Vraiment ? Tu viens de donner une phrase, genre c'est digne des plus grands philosophes mésopotamiens. Les journées pourries, c'est chiant. Les journées pourries, c'est chiant. Ah putain, c'est beau, je la mets tout de suite en photo. Est-ce que tu penses que si on inverse les mots, ça marche toujours ? Les pourries, journées, chiancées. Écoute, je vais envoyer ça hashtag à Franceline et je te tiens au courant très vite. Ça te va ? Ça roule. Donc, je vous offre aujourd'hui plusieurs métiers sur un plateau d'argent. Alors, le premier métier, vous pouvez devenir cosmonaute, astronaute, planétonaute ou encore un note, je sais pas lequel. Voilà. Alors ça, Jean, par contre, si je puis me permettre, oui. Je crois que c'est vachement surfait. Oui, oui, oui. Parce que déjà, je sais de sources sûres que nous n'avons jamais marché sur la Lune. Ça a été réalisé en studio, tu vois. Exact. Et en fait, donc les spationautes, les cosmonautes, tous les autres, c'est en fait des intermittents du spectacle payés 3 francs 6 sous. C'est vrai ? Oui, bon, les 6 sous quand même, tu vois, ça fait du bien là où ça rentre dans le portefeuille. Mais ça ne fait pas un homme, l'air de rien. Bon alors, est-ce que tu penses, du coup, je peux quand même motiver les gens ? Parce que ça a peut-être évolué depuis... Évidemment. Écoute, tout espoir n'est pas vain tant qu'il y a du vin. Alors, continuons. Vous vous sentez rejeté dans votre quartier. Mustapha, ce que je vais dire, tu vas peut-être le prendre pour toi, mais je t'assure que j'ai écrit ça en ne pensant à personne, à part Félix. Oh. Tu dis ça parce qu'il a un casque différent de nous, c'est ça ? Exactement. Vous sentez rejeté dans votre quartier. Vous avez 14 ans et 14 appareils dentaires sur chaque dent, ce qui peut être gênant. Mais ta vie que vous voulez fuir vers l'espace. 14 appareils dentaires sur chaque dent. Alors est-ce que tu peux juste, je me fais une petite représentation spatiale, l'utilité a priori d'un tel outillage ? Bien sûr, bien sûr. Lorsque tu souris, t'as un look d'enfer. Alors lorsque tu tues une souris par contre, tu as oublié un mot là. Avec des brocolis. Là t'as l'air bien. Okay, et des petits pois. J'ai compris. Je pense que tu captes la TNT aussi. Avec. Évidemment. Mais tout, tu captes même les martiens, c'est génial. C'est génial. En plus, alors, si t'as l'air pèse, là c'est le top du pop. Ouais, mais t'as surtout l'air con. Aussi, en passant. Alors, rassurez-vous mes petits amis, il ne faut pas croire les ragots qu'on vous raconte, en effet, sur les critères de sélection des gens qui vont dans les fusées. Parce que c'est n'importe quoi. En effet, pour devenir Astro Boy, il suffit d'envoyer CV plus lettre de motivation à la base de lancement de fusée spatiale la plus proche de chez vous. Alors c'est là qu'il faut le faire attention, et c'est le seul véritable obstacle, il faut faire attention aux questions pièges qui sont éliminatoires. Donc c'est-à-dire une fois que vous êtes embauché, vous êtes dans la NASA... Souhaitez-vous assassiner le président des États-Unis ? Cette question, par exemple, la réponse adéquate est « mon petit pois n'a plus de pain ». Oui, je pense qu'on peut expliquer pourquoi. Bien sûr, mais je t'en prie. Mais c'est très gentil, écoute, j'attendais que tu me donnes. Ça me fait vraiment plaisir. Alors, mon petit pois n'a plus de pain. Au XVIIe siècle, en fait, il y a eu une grève généralisée de la confection de colliers en petit pois, qui était à l'époque l'activité numéro 1. Vraiment, c'est des trucs swag, quoi. Ouais, c'est ça. Des enfants en crèche, ils faisaient tous un collier de petit pois. D'ailleurs, est-ce que tu te souviens de Nabila Seth qui disait « Non mais allô ?» Non mais une fille t'as pas de collier de petits pois. C'est ça. Non mais c'est génial ça. Non mais allô, c'était vraiment beau. D'ailleurs, ça a marqué la Bible. C'est, je crois, le verset aux Corinthiens, chapitre 7, verset 8, strophe 14. Ligne 42. Tu ne petit pois rapant. Tu ne petit pois rapant. Exactement. Merci Mustapha. Mustapha a écrit lui-même ses blagues. Mais je me perds donc dans mon explication. Oui, j'en étais. Donc les colliers de petits pois qui étaient à l'époque. Or, une terrible la sécheresse de 62, inutile de vous la rappeler. Terrible. Que les petits pois simplement devinrent gros. Oh, c'est terrible. C'est terrible. Les petits pois devinrent gros. Et du coup, ça n'avait plus de sens d'appeler des petits pois des gros pois. Donc, les gros pois sont devenus des haltères. Les filles ont fait de la muscu pendant 15 ans. Elles sont devenues des hommes. Leurs hormones se sont développées. Leurs oestrogènes se sont annihilés. Ce qui les a amenés à dire « Nous ne mangeons pas de ce pain-là, donc ». De ce pain-là, qui était le meilleur pote de Barack Obama, qui l'a très mal pris. D'où ne pas assassiner le président. Pas de petits pois pour ce pain-là. Je te remercie. Ça me paraît tout à fait normal. Merci Olivier pour cette explication des plus convaincantes. Alors, je vais vous donner quelques questions pièges et les réponses adéquates. Tiens, adéquates, prends les réponses. Merci, ça me fait plaisir. Bah, c'est gentil. Alors, question typique. Hé, le nouveau, tu veux pas aller voir sous les réacteurs ? Je crois qu'il y a un phare qui marche pas. Oui, bah j'y vais. Ah non, justement, tu es tombé dans le piège, Olivier. Bah, je ne comprends pas. Il faut riposter du type « Je suis pas aveugle du con, j'entends rien ».
Mais du coup, par contre, enfin, si le phare fonctionne pas, comment tu fais pour laisser des passages interstellaires et autres panneaux de signalisation de ce genre? Tu fais des signes avec ta main. C'est ça. Tu regardes en arrière comme un scooter, tu vois. Mais allez, écoute... attends, il y a quelqu'un qui va passer. C'est une motoriste. Elle va passer. Vas-y. Par contre, dans l'espace, personne ne parle comme ça. C'est un critère évidemment de sélection, ça. C'est un critère de sélection obligatoire. Alors, une autre question piège qu'on peut vous poser. Hé, le nouveau, va vérifier si les mines de protection du camp fonctionnent bien. Oui, bah je suis parti. Non, Olivier. Mais quoi? Encore une fois. Mais pourquoi? Mais parce que si tu fais ça, tu auras des problèmes. Bah de quel genre? Bah du type, si une mine explose, tu pourrais avoir fait exploser une mine. Mais je n'utilise pas de crayon, je n'ai que des stylos billes chez moi. Pas de mine, donc. Tu es donc à l'abri, mais combien sont dans ton cas, Olivier? Combien? Très peu. Donc, que répondre à El Nouveau va vérifier si les mines fonctionnent bien? Tu lui réponds, je ne suis point maître. Mes bourses se font la malle et ça fait mal de perdre ses attributs, mal. Monsieur est poète. Monsieur est poète et le belligérant sera ainsi totalement neutralisé. Et enfin... Le belligérant qui peut également être moche gérant. Oui, il peut être moche gérant. Ça dépend, mais à la NASA, quand même, ils prennent des beaux. Si vous arrivez à arriver en orbite de type arrivant, attention à cette question qui est redoutable et a fait plusieurs morts. Alors, et le nouveau... Oui. Je te propose de parler un petit peu moins fort parce qu'on dérange Mustapha, en fait. Ah merde. Ça va, Mustapha, t'es toujours avec nous? Ça va. Bah écoute, ça fait plaisir. Merci encore une fois d'être là. À toi, Jean. Donc, en orbite, on peut vous dire, le nouveau, oui, va vérifier si les conduits d'évacuation des toilettes marchent bien. Ah, j'y vais tout de suite. Attends, j'ouvre la fenêtre et je suis parti. Eh non. Mais quoi? C'est un coup à te retrouver mort. Alors là, je viens de ken 15 oreilles, mais c'est un truc en fait qui m'a fait beaucoup rire. Je vais le refaire régulièrement, je pense, au cours des prochaines émissions. J'annonce ça. Donc chez vous, baissez un peu le son parce que c'est un truc qui va se reproduire. Comme Nabila. Oh, bravo, bravo. Donc contre-attaquez directement. Surtout, dites-lui, et ta sœur, elle aimait les trains en carton, ta sœur. Alors, mais est-ce que... C'est quoi le rapport avec les toilettes? Mais Mustapha, ne te fais pas plus bête que ce que tu n'es. Tu n'as jamais été stapsomètre, Mustapha? Non. Stapsinisé? Stapsonation? Peut-être... J'ai déjà chopé une stapsinisite. Ah ben voilà, ça explique tout. Mustapha, est-ce que le terme chopé là est très important? Est-ce que tu parles d'une maladie? ou d'une fille de type stapsienne? Parce que moi j'ai compris une fille. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Moi aussi. J'espère que c'est ça. Non, c'était une maladie. Ouais, il s'en sort bien, le bougre. Tout à fait. Il n'est pas né de la dernière pluie de l'espace. Donc, je vais demander à mes deux vis-à-vis. Oui. Vous allez bien? Bah oui. Écoute, ça va très bien, merci beaucoup. Vous vis-à-visez tranquille? On vis-à-vis notre vie tranquille. Est-ce que cette chronique vous a donné envie de devenir cosmonaute, astronaute, planétonaute ou encore un autre? Pas trop, non. Oui, bah écoute, toi, moi beaucoup. Toi beaucoup? Moi beaucoup, parce que c'est vrai que j'ai un rêve depuis que je suis tout petit. I had a dream, comme dit Evangeli. C'est de marcher entièrement nu sur le soleil. Ouais. Parce que je t'explique, j'ai des problèmes, je n'arrive pas à bronzer. Ah bah oui. À chaque fois, je l'ai vu, c'est vrai. Le syndrome de la pomme. Le syndrome de la pomme d'Adam d'ailleurs. À chaque fois, je vais en vacances au Maroc, qui est un petit village à côté de Boulogne-Billancourt. Si. Freddy y allait d'ailleurs. Oui, bah Freddy qu'on salue. Le Maroc, c'est Freddy. Bah, ouais, bien ouais. Ouais. Et à chaque fois, je reviens blanc comme une nappe, mais qui serait blanche. Genre laver être le nouvel homo. C'est ça, le nouvel homo qui ne se fait que des PD. Oh non, Jean, on avait... Oh là, oh, mais enfin, c'est vraiment pas cool. Ouais, bon, je m'excuse pour cette blague, j'avoue, elle était pas... Bon, il y a un deuxième... Merci beaucoup, Jean. Alors, avant le deuxième métier, je te propose qu'on va faire un peu... Tu connais tous les... Bien sûr, tous nos auditeurs sont familiers du montage alterné dans la théorie de la vérité ontologique de Bazin. Tout à fait. Alors, après le montage alterné, je te propose une innovation. Oui. ASB, on est les seuls en France à le faire. Oui. C'est l'amour en direct à la radio. Non, c'est pas ça du tout. Oh là, alors attends, en fait, ça c'est après. Non. On va mélanger nos chroniques, si tu vois ce que je veux dire. Très bien. Mustapha, tu veux mélanger nos chroniques avec nous? Non, ça va aller. Bon, bah tant pis, ça sera sans toi. Alors, super. Jean, à côté des métiers qui sont pour la fois surprenants, mais c'est tout à fait vrai. Alors, ne te moque jamais de ma voix, pardon. Non, c'est pas ta voix. Ok, j'aime bien. Alors, moi, je vais te donner aussi certaines traditions qui m'ont pour le moins interloqué et qui, vraiment, j'espère, vous feront sourire si ce n'est vous déshabiller. Mustapha, c'est pour toi. En Auvergne. Mm-hmm. En Auvergne, donc là où il n'y a pas du tout de vergne. Alors attends, parce qu'il y a des gens qui vivent en Auvergne. Ouais. Non, oui, mais ils sont pas au courant de ça. Ah oui, ouf, quand... oh là là. J'ai cru que... Non, d'accord. Okay, d'ailleurs, il y a un site internet qui se propose humanitaire, donc on en parlait tout à l'heure, qui se propose d'appeler ces personnes-là pour leur apprendre simplement la nouvelle. Les gars, faut déménager, vous êtes en Auvergne. Je sais pas quoi dire, c'est trop beau. Je... Mais le problème, c'est que le nombre de crises cardiaques s'est révélé beaucoup trop élevé. De toute façon, ils n'ont pas de téléphone. A priori.
mais ils ont des vaches. D'ailleurs, le concept de vache voyageuse est quelque chose qui s'est beaucoup développé. En fait, c'est grâce au lait. Le lait contenait des protéines qui donnaient telle ou telle lettre. Bon, ça prenait un peu longtemps, tu vois. Oui, ouais. Il fallait 14 vaches pour écrire un mot. En fait, les catapultes à vaches aussi, qui ont très bien marché. Mais au final, c'était une méthode assez pratique. Tu marquais les vaches au fer rouge, tu les envoyais à 14 km. Et là où il faut être fort, c'est que la vache meurt évidemment et tu as 15 secondes pour la traire avant que ça ne soit plus possible. D'où le fameux cri quand quelqu'un reçoit un message « Oh la vache !» Bien sûr, voilà, c'est ça. Si vous voulez qu'on vous explique d'autres mystérieux... d'autres expressions mystérieuses de la langue française, n'hésitez surtout pas à partir salle de bain. Et là, pour ça. Voilà, voilà. Et ben écoute, on va rejeter. On va rester sur le soleil du Mexique. Mais c'est pas du tout ça que je voulais dire. En Auvergne, donc on va rester dans les vaches. Un berger qui voit. Mais excusez. En fait, il faudrait qu'un jour, vous pouvez amusez-vous chez vous à écouter notre émission, mais toujours avec un sous-entendu sexuel derrière, tu vois. Alors là. Tu vois ce que je veux dire. Et je pense qu'on rentrerait tout le temps dedans. Attends. Là, ça marche pas. Vous en aurez pour votre argent. Bon, en Auvergne, ça fait 14 fois, je vais réussir à phraser. En Auvergne, un berger qui voit un loup manger une brebis doit aussitôt se mettre une poignée de cheveux dans la bouche pour ne pas perdre la parole. Alors, ça peut paraître comme ça un peu aléatoire, si je puis dire. Non. Mais non, une question que je me suis posée, que vous vous posez tous, c'est comment faire quand tu es chauve. C'est ce que je me dis. À ce moment-là. Il me semble avoir... De quoi on a une intervention de Félix. Oula, qu'est-ce qui s'est passé? Tu es revenu des courses même comme ça. Le studio. Merci Félix. Alors Jean, je te propose... dans notre fameuse rubrique un métier, une tradition, tel métier, j'ai la baguette, c'est à toi de reparler. Très bien, donc moi, mon deuxième métier de ce soir, c'est le métier de salisseur. Alors, salisseur, est-ce que ça vous dit quelque chose? Oui, a priori, et salisseur, tout étudiant qui mange. Oui, ouais. Tout membre de Radio Rec aussi. Sympa. C'est aussi les mecs qui hissent des choses qui ne se sont pas lavées, par exemple, oui, peuvent exactement. Être des salisseurs. Mais là, il ne s'agit pas de ça. C'est un métier qui est en effet très très mal connu et que donc peu de gens connaissent. Tout simplement parce que le salisseur travaille dans l'ombre. Mais c'est grâce à lui et à lui seulement que... Il n'a jamais le droit d'être au soleil. Non. C'est super chaud quand même. Mais t'as jamais entendu au soleil, les salisseurs n'ont pas le droit de venir au soleil. Si, mais c'est ça. Mais d'ailleurs, moi, je connais très très bien Alizé. Oui, et normal. Et c'est un conseil que je donne à tout le monde. Arrêtez les jeux vidéo, ouvrez des livres, quoi. Allez, lisez. C'est parti. Lisez. Donc, c'est grâce aux salisseurs que des milliers de gens peuvent gagner leur vie. Vous êtes toujours demandé d'où venait le bordel dans votre chambre. Moi, je me suis demandé, Jean. D'où venait la saleté dans le métro, les détritus dans la rue, le pipi dans votre immeuble? Eh bien, ne vous demandez plus. On sait que salisseur. C'est Olivier, ça. C'est toujours non. Salisseur, c'est donner du travail aux agents d'entretien, du travail aux techniciens de surface, du travail aux agents de propreté, bref, du travail aux femmes. j'ai failli dire un truc. T'as failli déraper, mais dire un truc heureusement, tu étais solidement attaché. Alors, comment devenir salisseur? C'est très simple. Si peu de monde est au courant qu'il y a beaucoup, beaucoup plus d'offres que de demandes. C'est logique. C'est tout à fait logique. Donc, pas besoin d'envoyer CV ou lettre de motivation. Commencez simplement Pour envoyer CV, un truc que je vous conseille, c'est de prendre dans un journal, afin que ça reste anonyme, découper toutes les lettres V que vous trouverez dans une enveloppe cachetée, sans nom, sans prénom, sans timbre, et brûlez-la. Ainsi, vous avez 9% de chance d'être engagé comme PDG de Coca-Cola France. Je parle d'expérience. Il ne faut pas, bien sûr, que l'enveloppe soit trop cachetée, sinon personne ne pourra la trouve-jeter. Oui, bien sûr. Et donc l'ouvrir. Parce que, d'ailleurs, le jeu de cache-cache a été inventé par un fameux postier, Olivier Besancenot, 1472 avant Jésus-Christ. Exactement. Olivier, qu'on salue, qu'on embrasse. Et d'ailleurs, petite dépêche AFP qui vient de tomber, Olivier Besancenot sera le prochain président des États-Unis d'Amérique. C'est vrai? Non, pas du tout. C'est à toi, Jean. Quel dommage. Donc, pas besoin d'envoyer votre curriculum vitae ou votre lettre de motivation. Commencez simplement à tout dégueulasser autour de vous et apartez salle de bain, vous jure, sur la tête de Walid Mustapha, que vous serez payé à la fin du mois pour votre bonne action. Tenez, pas plus tard que maintenant, je me fais 50€ en lançant ce téléphone par terre. J'ai fait le salisseur, tout simplement, tout facilement. Pour vous aider à commencer, à partir de salle de bain, on reçoit ce soir deux salisseurs professionnels pour répondre à nos questions. Donc, Xavier de la Belmotte et Stanislas Ketchup, bonsoir. Bonsoir, Stanislas. Bonsoir. Alors, j'aurais quelques questions. Depuis combien de temps êtes-vous salisseur?
Bah moi écoutez, c'est vraiment une vocation quoi. Ouais. Depuis que je suis tout petit, je rêve de faire ce métier. Déjà gamin, je m'en souviens, je vomissais sur la tête à ma mère. c'était énorme. Merci Stanislas. Alors comment tout simplement commencer la salition? D'un coup, genre beaucoup ou petit à petit, par à coup? Ouais, bah moi si je peux me permettre, Xavier, si tu veux répondre, n'hésite surtout pas. Je pense que c'est vraiment un travail qui est pas pris au sérieux, mais où il faut, c'est un sacerdoce, hein, si tu veux. Complètement. Ouais, d'accord. C'est comme prêtre, pape ou prostituée, c'est un truc, il faut le vivre vraiment, tu vois. D'accord. Il faut avoir ça dans l'âme, tu vois. D'ailleurs, l'âme, très bonne chanteuse qui nous a beaucoup aidé dans notre cause. Elle est présidente de la Confédération des Salisseuses de Belgique. C'est vrai? Oui, bien sûr. Moi qui pensais avoir bossé le sujet à fond, j'apprends encore des choses. Alors, y a-t-il pour devenir salisseur des restrictions d'âge ou de sexe? Alors oui, il faut faire moins de 4 fois l'amour par jour. Ouais. Aïe. Et moins d'un mètre 50 aussi. Également. Il faut avoir moins de 190 ans. Ouais. C'est vrai? Oui. Donc tu vois, c'est un métier vraiment, comme je disais, qui n'est pas ouvert à tout le monde. Oui, non, c'est pas open bar, c'est pas Nabila, tu vois. Ça n'a rien à voir. Il faut avoir aussi au moins 2 grains de beauté sur la fesse droite. Aïe, d'accord. Ça, par contre, c'est pas simple. Alors, après, tu peux encore tricher, tu colles des grains de raisin, personne n'ira vérifier. C'est vrai, tu vois, bien sûr. Merci beaucoup pour cette astuce, Stanislas. L'avant-dernière question, quelle est la plus belle chose que vous ayez jamais salissue? Alors moi, j'en suis très très fier, c'est la Joconde. C'est vrai? Bien sûr, la Joconde de Da Vinci. Wow. Bah, tout simplement, je lui ai dessiné une petite crotte de nez dans la Incroyable. C'était énorme. Et vous, Xavier? Moi, c'était la mère à Stanislas. La mère à Stanislas. c'était énorme. Je te filmais, c'était énorme. Et alors, enfin, pouvez-vous tout simplement me donner la conjugaison du verbe salisser au passé simple? Bien sûr. Bah, Xavier, ça, c'est ton boulot. Allez, Xavier. Un bac S, donc. Salissoir? Non? Ah, salissoire, Xavier. Non, c'était. Alors, par contre, si je puis me permettre, c'était la salisse, la fameuse salisse de Strasbourg, bien sûr. Ah. Donc, merci à vous, messieurs. Bah, ça m'a fait plaisir. Merci de vous avoir invité, en tout cas. Bonsoir. Merci beaucoup, Jean. Le salisseur, un métier qui gagne à être connu. C'est vrai. Écoute, merci beaucoup. Vous connaissez le concept, un métier, un witchkutter, qu'on peut traduire en français par une tradition. Ouais, grosso merdo. Grosso merdo, au Kyrgyzstan. Pays trop nombreux développés, je pense. C'est un peu un sujet tabou en France, le Kyrgyzstan. D'ailleurs, moi je pense que le Kyrgyz devrait se détendre. Ouais. Parce que bon, il se tend, mais au final. Après, ça il est rien. Toujours stressé, bah, il engueule les gens. Et c'est pas constructif, je suis entièrement d'accord. Alors, au Kyrgyzstan, par contre, les gens sont très sympathiques, puisque tu vois, ici en France, imaginons quand t'aimes quelqu'un, tu vois. Mm-hmm. Par exemple, Jean, je t'aime. Très bien, bon, okay, d'accord. Alors, qu'est-ce que je vais faire? D'abord, je vais t'ajouter sur Facebook, je vais parler avec toi pendant 4 mois. Tu vas me poker? Je vais te faire 12 soirées, je vais te Pokémon pour t'apprendre les règles de développement de base. Tu vois, on va faire 12 soirées ensemble, après, je vais me rapprocher de toi, je vais te faire boire pour que tu sois bourré, après, je vais te bourrer, et après, Inch'Allah, on sortira ensemble. Ouais, c'est le fonctionnement logique, bien sûr. C'est le fonctionnement de base, tu vois. Donc, sur un an et demi, j'envisage d'avoir une relation avec toi. C'est tout à fait plausible. Alors, au Kyrgyzstan, c'est beaucoup plus simple puisque simplement les hommes ont le droit, et c'est même obligatoire, d'enlever l'être aimé. C'est-à-dire qu'une fois que t'es en kiff sur une meuf, t'arrives avec une cagoule, un grand sac de pommes de terre, et vas-y Simone, dans la cave pendant 4 mois, tu vas voir si je te kiffe pas comme tu kiffes. Mais ça c'est génial. C'est génial. Donc c'est un truc... Non, Mustapha est déjà en train de commander en ligne tes billets. Non, ouais. Mustapha arrête, c'est chiant, je te jure. Arrête. En Grèce, je vais continuer, c'est, tu sais, en France, là encore, pour te souhaiter bonne chance. Oh là là, quelle horreur. On te dit bonne chance. Ouais, ça c'est terrible. En Grèce, c'est tellement plus sympathique. En Grèce, il est à noter que les personnes qui veulent te souhaiter bonne chance te crachent 3 fois à la gueule. Ainsi, non seulement tu es complètement lubrifié, tu peux t'insérer dans toutes sortes d'orifices. De situation professionnelle. De situation professionnelle. Voilà. Et tu es aussi chanceux qu'un lapin qui a gagné au loto de quoi. C'est pas mal. Et la Grèce est le premier pays producteur de lamas. Exactement. Enfin, de Serge Lama, je veux dire, qui crache souvent sur ses fans pour donc leur souhaiter bonne chance. La Grèce est également le premier producteur de femmes grosses et moches. Oui, il est. Oui, grâce à la Grèce. Donc. Bien, ouais. Je t'en remercie. C'était un métier de tradis. À toi, Jean, pour le métier. Bon, là, je suis chaud, là. C'est à toi, Jean. C'est parti. Le troisième métier, c'est donneur d'espoir. Déjà, c'est un nom qui fait un peu rêver. Oui, je sais, Olivier. Du calme. Alors, donneur d'espoir, qu'est-ce que c'est donc que cela? Figurez-vous qu'on n'a pas tous la chance. Alors, par contre, Jean, je crois que là, c'est, si je peux me permettre, c'est un des cas, c'est une exception de la langue française. Tu fais pas la liaison, donc c'est le donneur des poires. Tu lis pas le SLP, en fait, tu vois. Ah bon? C'est le donneur des poires.
Ah d'accord, donc on est donneur d'espoir et pas donneur d'espoir. Ouais, c'est ça. Tu fais pas la transition, je suis désolé. Putain. Bah, t'es en stabs ou quoi? Bah, attends, je vais continuer avec espoir, les d'accord. Gens chez eux feront le. Ça marche. Donc, figurez-vous qu'on n'a pas tous la chance, ni l'assurance, ni la beauté ou encore la grâce d'Olivier. Merci. Assis ici à mes côtés. Du coup, certains puissent avoir une opinion assez basse d'eux-mêmes. Pour modérer les taux de suicide. Comme une table. D'ailleurs, petite parenthèse sur les taux de suicide rapidement, hein, on constate qu'aucun de ceux qui réussissent leur suicide la première fois ne retente le suicide. C'est vrai ? C'est vrai. Mais ça c'est lié, je pense, à la. Parce que moi, j'ai. Bon, ouais. Bonsoir. Jean-Philippe. Jean-Philippe. J'ai fait une thèse sur les suicidés. Assistant de Suicidana, bien sûr. Bien sûr. Vous êtes bien connu. Et oui, j'ai constaté que, en fait, c'est lié à la conjoncture économique actuelle. Oui. Qui fait lorsque tu as déjà acheté une corde, bon, tu t'es tué. Après, tu finances ton enterrement, c'est ça. Ouais. Et t'as juste plus les moyens de retenter l'aventure. Une analyse intéressante qui, en effet, servira beaucoup à nos auditeurs, j'en suis sûr. Donc, pour modérer le taux de suicide, le gouvernement a mis en place un corps de métier particulier et également secret, un peu comme les salisseurs, quoi. Ce sont donc les donneurs d'espoir ou d'espoir, vous aurez compris. Hein. Ce sont les gens que, quand vous les voyez, ils vous inspirent des réflexions du type « Oh putain, j'aurais pu être lui. Oh, j'ai de la chance quand même. » Genre les stars internationales. Réfléchissez, vous en connaissez tous un, voire plusieurs. Vous pensiez simplement qu'ils étaient débiles et moches de naissance, qu'ils n'avaient pas eu de chance. Eh bien non, ce sont des gens comme vous et moi, enfin, surtout comme vous. Exactement, qui ont choisi de sacrifier toute leur vie pour donner de l'espoir à ceux qui en ont le plus besoin. Donc, à part tes salles de bain, profite de l'occasion, je pense, tout simplement, du fait qu'on aborde le sujet pour vous prier d'envoyer vos dons. À Paul-Étienne Motto. Pour notre ami Paul-Étienne Motto, dont on taira le nom. Évidemment, on dira pas comme ça. Voilà. Qui a choisi de renoncer à tout ce qui est attirant chez un homme. À toute beauté, toute intelligence pour vous. Pour vous nos hommages à Monsieur X, donc. Hein. Alors, pour postuler et devenir donneur d'espoir, il vous suffit de faire en sorte d'être moche. Donc, vous pouvez donc téléphoner à Paul-Étienne, vous voulez des petits conseils. Enfin, Monsieur X, je veux dire. Monsieur X, ouais. Et d'envoyer un CV avec votre photo à Radio Rect. Nous la ferons parvenir aux autorités compétentes. À qui de droit, merci beaucoup, Jean. Ouais, donneur d'espoir, un métier qui, je suis sûr, entraînera là encore beaucoup de vocations. On continue alors au Kenya, Jean. Oui. Au Kenya, bah c'est un peu comme en Grèce, tu vois, on est un peu plus sympa quand même. Une fois que tu as un nouveau-né, tu vas donner le bébé donc, que tu viens de recevoir à toutes les femmes du village pour qu'elles lui crachent également à la gueule. Putain. Alors, où c'est que tu trouves ces trucs-là? Ah non, mais ça, c'est dans la famille, ça se sait. Putain. c'est une tradition orale, une histoire que tu racontes avant de dormir. Voilà. Non, donc, tu as été élevé sous la tradition kenyane. Bah écoute, on ne choisit pas ses parents, Mustapha. Et donc au Kenya, mais là-bas en fait, c'est pas du tout pour porter chance, c'est tout simplement pour protéger le bébé en lui crachant à la gueule. Donc la raison officielle, c'est ça le protège ainsi des microbes, tu vois. C'est comme un vaccin moderne, si tu vois ce que je veux dire. Évidemment. Mais moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Oui. Mais je suis d'accord avec ça. En Italie. Très bien. En Italie, on jette par la fenêtre tout ce dont on ne veut plus. Tout à fait normal. Mais c'est normal. Ça paraît assez normal. D'ailleurs, moi, mon chat, c'est ce qu'il avait. Ouais, c'est ça. L'ancien président des États-Unis, dont on taira le nom par souci d'intégrité également. D'intégrité même. Je pense qu'on peut y aller. A jeté 8 de ses maîtresses déjà par la fenêtre du palais. Alors, si vous vous sentez seul, baladez-vous simplement sous sa fenêtre et croisez les doigts. À noter qu'il faut faire attention car la demeure de Rocco Siffredi est en plein centre-ville. Il y a souvent des trucs qui tombent, quoi. Des trucs assez conséquents. Des trucs que vous voulez pas vous prendre certainement sur pas vous la tatio, est-ce que je veux dire. Genre d'autres métiers qui ont fait ta réputation, ma réputation et la réputation. Et bah alors peut-être, écoute, il y a un métier super, super dingue, qui est très peu connu également. C'est tout simplement mannequin pour animaux. Alors, ça paraît dingue. On dit souvent, la couture d'animaux, les animaux morts, les peaux mortes d'animaux que les gens portent, c'est pas bien. Mais figurez-vous que c'est en fait sponsorisé directement par la Société des pandas géants de Chine. La SPGC ? Société des pandas géants Chine. Mais t'as oublié le 2 ? Ah, c'est vrai. Ben oui. Qui donc organise des défilés avec des hommes nus, mais habillés. Bien sûr. Sinon puisqu'ils portent des peaux de tigre, de léopard, de tortue. Tout à fait logique, quoi. Exactement. Alors la question bien sûr que tout le monde se pose, le public est-il composé d'humains ou d'animaux ? C'est ça. Le public est mixte, tout simplement. Ah. C'est-à-dire qu'il y a d'un côté des tigres, par exemple,
sortis de leur cage. Sortis de leur cage. Et de l'autre, des humains. Mais genre, moi, je suis un peu. Bah, je me suis intéressé beaucoup sur le sujet. Je crois que cette année, ils ont introduit les minéraux également. Les minéraux ? Oui. Donc, ils ont toute une tribune réservée aux pierres en tout genre. Pour les faire défiler, c'est un peu plus compliqué. Ouais. On est encore en pourparlers avec eux, mais ça va se faire. Avant 2015, j'ai bon espoir. Eh bah, ben, je pense que Pierre qui roule. Namaste d'une pierre de coups, hein, tout simplement. Pierre pizza. Ah, oh, Namaste pas mousse, mais bien sûr, Mustapha. Mustapha, tu es là. Et donc, pour animer un peu les défilés, parce qu'on se dit, bon, les défilés de mode, il y en a déjà plein, qu'est-ce qu'il y a de particulier celui-là ? C'est simple, c'est-à-dire que les tigres sont donc du côté droit, les humains du côté gauche, et chaque humain a une couronne de saucisses autour de lui, bien fraîche, bien saignante. Mmh. Et le but du jeu, c'est d'être le dernier survivant. C'est énorme. C'est génial. C'est trop bien. Et est-ce qu'on peut s'inscrire ou inscrire des amis à ce jeu? Oui, on peut. Il suffit d'envoyer tout simplement la peau de votre chat ou de votre chien, si vous en avez un, à l'adresse suivante qui s'affiche sur vos écrans chez vous. Bien sûr. Si Félix fait son boulot, après moi. Après, c'est pas notre concerne plus. La technique, ça suit pas. Voilà. Merci beaucoup, Jean. Décidément, que de métiers qu'on a envie de faire. Mais là, j'ai envie d'arrêter le ciné, tu vois, pour moi. C'est vrai. Mais tellement. Alors, ce que je vous propose, c'est de faire tout de suite une petite pause musicale. On se retrouve dans moins de 14 secondes, mais peut-être un peu plus quand même. Un petit peu plus, ouais. À tout de suite, restez avec nous. Stay on vous aime. Danke schön, ein bisschen tun.
Voilà, c'était Georges Brassens avec les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics. Les bancs publics. Georges Brassens, qu'on salue au passage, qui nous regarde. Salut Georges Brassens. Salut Georges. Alors les amis, vous le savez, Pâques a passé. Est-ce que vous avez été gâté un peu en chocolat Choco BN et Choco Kinder Bueno? Ouais. Grave. C'est vrai? Ouais, j'ai eu des Kinder surprises depuis longtemps, j'en avais pas eu. Ah, ça te déchire. Et j'ai eu des jouets dedans. T'as réussi à faire le petit jouet? Bah, c'était un puzzle de 8 pièces. Je planche dessus. Et tu nous tiens au courant. Ouais, vous aurez une photo heure par heure de l'avancement de gens sur Facebook d'Aparté Salle de Bain. Mousse, t'as été gâté? Ouais, j'ai eu un petit noir. Alors attends, par contre, est-ce que Madonna est au courant? Parce que je crois que c'est elle qui les collectionne. Je crois qu'Angelina Jolie est sur le show. Angelina Jolie également, bien sûr. Ouais, j'étais en combat avec elle. Et bah normal. Je comprends. Et c'est toi qui l'as eu, bravo Mustapha. C'est ça aussi l'esprit Radio Rec. Alors Pâques, c'est bien sûr le 1er avril. Et le 1er avril, c'est quoi? C'est évidemment... C'est des poissons. C'est genre, tu dis un truc. Tu dis par exemple, demain, j'avoue Olivier que je suis amoureux de lui. Ouais. Enfin, c'est un exemple. Hein. Ouais, complètement pris au hasard. Puis après, en fait, tu le fais pas. Bah, c'est ça, c'est les poissons d'avril, les petites blagounettes. C'était le challenge, tu sais, quand t'étais au collège, quand t'étais au lycée ou plus jeune. Génial. Fallait accrocher le poisson. C'est à qui oserait accrocher le poisson sur le dos du prof. Ouais, du prof vénère, tu vois. Ouais, ouais, du prof cool, tu sais, qui va rigoler. Le prof, s'il doit faire. Genre, ouais, c'est ça. Le prof, s'il doit faire, genre, il t'en colle une, tu vois. Il te déshabille, il fait la manche devant tout le monde, rien à foutre. Bah ouais. Alors, cette année, j'avoue, on a été pas mal gâtés. Il y a eu des perles, c'est vrai, que j'ai trouvé assez drôles. On va commencer tout de suite avec RTL, la fameuse marque de cosmétiques. RTL a affirmé que Roselyne l'économie américaine également, qu'on aime beaucoup, beaucoup. Alors, il est à noter que c'est la première émission de Félix derrière la technique. On l'excuse donc pour toutes ces erreurs techniques. Non, mais il ne peut pas être en course en même temps. Enfin, c'est très compliqué. Je comprends. Alors, RTL a affirmé que Roselyne, évidemment, notre Roro nationale. La bachotte. Bien sûr. La grosse qui traîne sur les 8. Quoi? Mais Mustapha, enfin. Elle n'est pas grosse. Roselyne Bachelot allait prendre part au prochain James Bond. En tant que James Bond girl, nouvelle égérie. Non, bah, je pense que c'est merde. Vrai. RTL. Alors, je ne sais pas si, par contre, peut-être, il est possible qu'elle fasse le bateau. Ça, alors, pour ceux qui ont vu Skyfall, à la fin, le seul truc sauvé de l'incendie, c'est une petite statuette de chien moche. Elle aura le même rôle. Elle survivra. Ça serait une reproduction grandeur petit. C'est ça, Roselyne Bachelot, en tout cas, qu'on embrasse, qui nous écoute et qu'on aime très fort. Bisous, Roselyne. France 24. Oui, bah, j'ignorais qu'il y avait 24 France, mais apparemment, c'est 4. Très bien. Affirme que notre président aurait demandé la main de Valoche, de Valérie Trierweiler, devant... Oui, c'est pas ça. Alors, non mais en fait, la fin, ça m'a saoulé, tu vois. Je me suis dit, je vais dire le nom, Trier, et puis la fin, ça part un peu. Trier, ça m'a blasé, en fait. Valérie Trierweiler, il lui a donc demandé sa main devant The Voice, en président normal, tu vois, il fait ça normalement. Tranquille, sans glam, sans paillettes, sans strass. Mais attends, le président de la France, c'est bien François Hollande, là, on est bien... Oui, tout à fait. Flambie. C'est Flambi. Notre Flambi national. C'est Gégé. Je pensais qu'il avait une femme, non? Pas du tout. Bah, c'est sa copine, hein, c'est pas sa femme. C'est sa meuf, genre. C'est genre. Ah ouais, genre il est encore jeune, non? Bien sûr. Vas-y, il a canne et tout. Mais bien sûr. Ils vont en soirée, tout tranquille. Bien sûr. Lui, il rentre pas en boîte, genre. Attends, bien sûr. Évidemment. La Poste a fait croire qu'elle utiliserait des drones pour distribuer le courrier. Alors, c'est une blague que certains ont pu trouver drôle, mais je pense que même avec des drones, elles auraient quand même 15 ans de retard à chaque fois. Mais ce serait des drones, des drones? Oui, ce serait des drones. Des très, très drones. Ah, ils seraient très, très drones. Genre, ils auraient un sens de l'humour particulièrement développé. Drone mendure. Une loi pour protéger les députés UMP au nom de poissons. C'est un député qui a lancé ça. Et il paraît, là, c'est très sérieux. Par contre, Jean-Marie Tétard n'a pas aimé la blague. Il l'a pris personnellement, tu vois. Et il a pas aimé ça. Depuis, il fait un peu la gueule. Il s'est réfugié dans son marais, d'après ce que j'ai compris. Et il ne veut pas répondre au tétarphone. Il habite vraiment dans un marais? Oui, bah, sinon je te l'aurais pas dit. Avec Jules Etienne. Bien sûr. Jules Etienne. Alors, cette blague ne peut être comprise que de ceux qui ont étudié le cinéma. Jules Etienne Marais, l'inventeur donc du bateau à vapeur. On s'excuse encore, on est en plein dedans en ce moment. C'est Google Smell. Alors, Google Smell, vous avez sûrement vu, c'est le poisson d'avril 2013 de Google. En fait, ils ont lancé cette interface où ils t'expliquaient très sereinement que c'était une version bêta qu'ils pouvaient te faire sentir une odeur sur ton ordinateur. Donc, tu n'avais qu'à cliquer.
mais moi, sur ça... l'odeur par exemple d'un fruit, et il te mettait chargement court, diffusion, diffusion. Et le plus drôle, ça en lui-même c'est drôle, mais le plus drôle c'est les commentaires de personnes. Mais je comprends pas, ça ne marche pas. Mais non, mais je ne sens, ça, pas, je ne sens pas l'odeur chez ça, moi et tout, tu vois. Ça bug chez moi, genre je sais pas si. Mais c'est parce que t'as pas fait la mise à jour, Jean. Ah putain! Bah ouais, mais on te l'a dit! On te l'a dit! Hein. Moi qui voulais savoir à comment sentait une poire du Maghreb, et je suis trop voilà, déçu, tu ne le sauras jamais, tu mourras con et moche. Merci. Bien sûr, ça fait plaisir. MSN encore une fois. Mais en fait, le plus drôle, je pense que vous êtes d'accord, les gars, c'est pas les poissons d'avril en eux-mêmes, c'est la réaction des gens. La réaction des gens, tout à fait. Qui y croient, tu vois, et qui sont dégoûtés, non, par exemple. T'as deux types de personnes quand même. T'as ceux qui y croient et qui sont mordus à fond. Ouais, et qui vont et attaquer tout. Ceux qui vont faire ah, vas-y, je l'ai vu, c'est de la merde. MSN, ouais, d'ajoute, d'abord, ils ne sont pas très très drôles. MSN nous informe gentiment que le Qatar a racheté la Tour Eiffel. Et donc là, justement, il y a des gens dans les commentaires, c'est inadmissible, la Tour Eiffel, c'est le patrimoine national, on peut pas laisser faire ça. Je vais lancer une pétition, on va aller dans la rue, on n'abandonnera pas et tout. Non, mais alors, ces mecs-là, c'est un peu des kékés, parce que déjà, MSN. Enfin, je sais pas vous, mais genre au moment où c'est tu pas quittes, crédible, quoi, c'est... Où tu quittes 12 ans, MSN, t'entends plus jamais parler. C'est, genre, c'est vrai. C'est un truc. Mais en plus, il y avait un détail subtil, mais je comprends qu'il n'ait pas été compris. C'est que juste après, juste en dessous, en fait, il y avait une reproduction grandeur nature d'un poisson. Ouais, ouais, non mais. Mais enfin voilà, il fallait comprendre la mission le symbole, à Belzébuth. Le symbole qatarien, c'est le poisson, poisson bah oui, évidemment, qui représente. On est bien d'accord. Des pandas géants, Jean, ça va te plaire. Des pandas géants auraient été lâchés dans les Pyrénées. on avait fait le loup. Bah alors pourquoi pas les pandas géants afin qu'ils se reproduisent et qu'ils soient une attraction touristique en fait, comme une autre. Bah écoute, moi je trouve ça plutôt sympa. Mais c'est clair, mais c'est assez bizarre quand même. C'est bizarre. YouTube a fait fort. Ils ont lancé vidéo sur leur tube annonçant qu'ils allaient fermer pendant 10 ans pour élire la meilleure vidéo de YouTube pendant 10 ans. Ils vont donc regarder toutes les vidéos qui existent au monde afin d'élire de trouver la meilleure. Alors évidemment, c'est un poisson d'avril. Pourquoi ? Parce qu'on sait déjà quelle est la meilleure. C'est Histoire de cœur de l'amour hein. Évidemment, toujours disponible sur YouTube si vous ne l'avez pas vu. C'est la pépite qui se déguste avec du café aux myrtilles, si je puis me permettre. Tu peux. On peut enfin saluer la fac. La fac de Marne-la-Vallée et notamment Radio-Rec qui n'est pas en reste puisqu'ils ont fait un poisson d'avril. Ah. Et oui, on a le sens de l'humour à Radio-Rec. On sait s'amuser à Radio-Rec. Ils ont donc fait croire. Yeah. Ils ont donc fait. Hop, on s'éclate. Hop. Sortez hop. Le champomille. Wouhou. Wouhou. Ce soir, donc, je perds tout moyen. Je deviens fou. Je me couche à 23h. Voilà. Ils ont fait croire que la fac allait lancer. Rentrée 2013, une nouvelle licence de formation à la télé-réalité. Et non mais allô quoi. Non mais allô voilà. Non donc, mais allô. L'idée en elle-même, bah, elle a pas mal tourné, elle a fait plus ou moins le buzz, tu vois. Mm-hmm. L'idée en elle-même est pas mal, mais c'est vrai qu'après dans la réalisation, on nous a adressé quelques critiques. Ah bon. Donc là encore, merci d'adresser vos lettres et messages d'insultes à Walid, le président de Radio-Rec. Walid, on t'adore et même qu'on t'aime. Fort. Au passage. L'année dernière, notre poisson d'avril, c'était que la fac avait été rachetée par le Qatar. Donc MSN nous a copié. Oula. J'ai envie de dire MSN a copié sur Radio-Rec. Mais tu sais, si tu portes plainte contre eux, je pense qu'il y a moyen que tu te fasses un bon 10 euros. Quoi. Ah ouais, tu vas-y. Te fais deux kebabs quand tu rentres chez toi, Easy Flex. Quoi. Une petite pizza. Peut-être qu'ils t'offriront un compte genre gratis. Tu pourras chatter avec des filles de 12 ans. Des pédophiles. Ça m'intéresse un peu. Je comprends. C'est Marguerite, 8 ans, recherche âme sœur pour Kenja. Normal, la base. Jean, le fil d'actualité, tant que c'est pas fini, je pense qu'il y en a encore. Eh ben, le fil d'actualité, c'est un peu comme un organisme vivant, tu vois. Ouais. C'est-à-dire qu'il peut sembler fini, mm-hmm. mais tant qu'il n'y en a plus, ouais. il y en a encore. C'est beau ce que tu dis. Donc, on va reprendre ce petit fil d'actualité avec la mairie de Miramar. Qu'est-ce que Miramar ? C'est une ville qui est située à 450 km, retenez bien ce chiffre, il ne vous servira à rien dans la vie, au sud 450. De Buenos Aires. Donc cette mairie a annoncé que des enfants trisomiques ainsi que des pâtissiers sud-américains... Déjà, je trouve ça exceptionnel. Déjà, attends, est-ce qu'il y a besoin de continuer cette info ? Non, pour moi, les donc, pâtissiers ils mettent des enfants trisomiques avec des pâtissiers sud-américains. Est-ce que vous vous rendez compte de ce qui va se passer là quand même ? C'est les sud-américains, c'est les rednecks. C'est quoi ? Enfin, c'est les rednecks, un peu tout ça, ouais, tu vois. C'est vrai. Les enfants trisomiques ne peuvent pas se défendre. Donc bon, bref. Se sont réunis pour concevoir un œuf en chocolat de 6 mètres de haut.
Wow. C'est-à-dire presque la Tour Eiffel. Alors déjà, le chiffre 9, ça doit être assez, assez compliqué à concevoir en chocolat. Surtout, un 9 de 6 mètres de haut. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, c'est un malentendu, à mon avis. Donc, c'était à l'occasion de Pâques, évidemment. Donc, je suis voiceless. De Pâques quoi? De paqueté. Ah, de paqueté. La paqueté. De paqueté également. Et de Pâques Ebo. Enfin voilà, il y a eu la glace iranienne, il y a le pancake au Canada, il y a l'œuf de Pâques, je sais pas, sauvez-moi. Et il y a les cuisses de grenouille. Il y a les cuisses de pour une super cuisse de grenouille de 15 cm de long. Oh, incroyable. World record. Nickel. Alors Lady Diana se travestit pour faire la fête incognito avec Freddie Mercury. Ouais. En effet, elle se déguise en homme pour aller faire la fête dans un bar gay. Bon, déjà, Lady Diana qui se travestit, ça revient à dire que Lady Diana s'habille normalement. Genre, alors... Oui. Attends. Genre, est-ce que tu sais qui c'est Lady Diana? C'est une dame. Et Freddy... Moustapha, tu me laisses là-dessus, s'il te plaît. Et Freddie Mercury? Oui, je sais qui c'est Freddie Mercury. C'est qui? C'est le chanteur du groupe de Queen. Ok, et tu sais qu'il va partir en tournée bientôt? Oui. Genre les deux personnes que t'ont citées, en fait, elles sont mortes, malheureusement. C'est vrai? Je te jure que oui. Non. Je te jure que oui. Mais personne ne m'a prévenu, Freddie moi. Freddie Mercury, il est mort du sida, et Lady Diana, elle s'est crachée sous le pont de l'Alma. Mais personne ne m'a prévenu. Je suis désolé. Mais ce qui est bien, à part tes salles de bain, on se tient au courant, tu vois. C'est dégueulasse. Il a une actu vieille de 40 ans, le mec. Mais personne m'a rien dit. Il la sort trop fière, genre. Il sort dans les bars, il se déguise et tout. Ils vont en boîte ensemble, les mecs, ils sont jamais... Mais par contre, donc, pourquoi cette info, t'as trouvé ça où? Eh ben écoute, c'est Freddie Mercury, ben du coup c'est pas lui. Non, du coup c'est bizarre. Mais alors, avec qui je parle depuis 20 ans? Je sais pas, mec. Fais gaffe, je pense que c'est Marguerite 8 ans, c'est pareil, tu vois. Putain, merde. Non, mais écoute, on veut entendre la fin de ton info quand même. Bah, c'était donc... quand même à noter que c'était la première fois de l'histoire que c'était pas genre un mec qui a ramené une meuf chez elle qui découvrit que c'était un mec. C'était un mec qui voulait ramener un mec chez lui et qui découvrait que c'était une meuf. Et ça, c'est incroyable. S'ils n'étaient pas tous les deux décédés, c'est vrai que ça aurait été exceptionnel. Merci, Jean. En Suède, un fast-food... Ensuite. La transition, c'est ensuite. Pas en Suède. En Suisse? Attendez. Ouais, là, on est paumés, les gars. Non, bah, vas-y avec ce que tu connais, on va pas le perturber davantage. Ensuite, Suisse-Suède. Ouais. Un fast-food utilise pour mélanger leur sauce une bétonnière. Alors... Ah, ça, je connais. Oui. Moustapha, il s'est réveillé d'un coup. Oh putain, la bétonnière. Oh là là. Oh là. Donc, est-ce que tu en as une chez toi? Ouais. Tu t'en sers pour. Merci, Moustapha. Retrouvez les plus belles réparties de Moustapha tous les mardis soirs. Le nouvel album de Moustapha, Répartie de feu. T'en as une? Ouais. En live sur iTunes de 14 à 14h. Bien sûr. Donc, à noter également que ce fast-food, donc sponsorisé par Mann, vous l'aurez compris, les hamburgers, ils sont préparés par des ouvriers unijambistes qui n'ont plus qu'un bras. Voilà. Un Français s'est fait arrêter à Philadelphie. Donc déjà, un Français qui se retrouve à Philadelphie, c'est assez bizarre. Hein. On se doute qu'il fuyait quelque chose. C'est un contresens, exactement. Il a été arrêté par la police américaine mercredi. Pourquoi? Parce que le mec, genre, il veut prendre l'avion, tu vois. Mais il se dit, putain, j'en ai marre d'être un passager. J'ai envie de conduire pour une fois. Donc il a essayé de s'introduire de force. Attendez les gars, je vais m'accrocher à l'aile. Ça va bien se passer, je vous assure. Il a essayé de conduire l'avion. Genre, attends. Hey, tu sais qui chier? J'ai fait GTA un peu, j'ai fait voler le tank. tu m'apprends rien à moi. Je fais voler les avions comme tu veux. La base. C'est fou. En Russie, encore une fois, et ça, c'est vraiment un truc qui se passe qu'en Russie. c'est génial parce que si vous aviez l'image devant vous aussi, il y a un mec qui s'est déguisé en ours blanc, qui s'est mis sur une petite plateforme. Sur un bout de banquise, exactement. Ouais. Et il est allé pour dénoncer le réchauffement de la plaine, c'est ça? Exactement. Et il est resté toute la journée comme un con sur un fleuve, personne ne l'a regardé. Tout le monde avec deux pancartes en mode ours blanc. Et voilà. Mais il a changé les choses, je pense. Mais c'est vrai que t'as raison, c'est qu'en Russie qu'on trouve des trucs comme ça. Mmh. Chaque semaine, dans mes coups de cœur, à chaque fois, les trucs les plus, c'est en Russie que ça se passe vraiment. Hein. Ça, c'est l'alcool de patate. Ça, bon, ça les gars, vous êtes bien dans la partie salle de bain. C'est la 15e, cette émission à retrouver juste après une courte pause musicale. On va faire le débrief de la soirée. Il y a mes coups de cœur à suivre. Et je vais vous apprendre aussi à une situation qui arrive très très souvent. Comment survivre à un requin, les gars? Comment survivre en cas d'attaque de requin? C'est tout de suite après la pause musicale. Restez avec nous pour the last 30 minutes of Apathy, salle de bouse. Bisous tout. Bring the action. When you hit this in the club, you're gonna turn the shit up. You're gonna turn the shit up. You're gonna turn the shit up. When we up in the club, all eyes on us. All eyes on us. All eyes on us. See the boys in the club.
They watching us. They watching us. They watching us. Everybody in the club. All eyes on us. All eyes on us. All eyes on us. I wanna scream and shout and let it all out. And scream and shout and let it out. We saying oh, we oh, we oh, we oh. We saying oh, we oh, we oh, we oh. I wanna scream and shout and let it all out. And scream and shout and let it out. We saying oh, we oh, we oh, we oh. You are now, now rocking with Will I Am in Britney, bitch. Bring the action. Rock and roll, everybody, let's lose control. All the bottom, we let it go. Going fast, we ain't going slow. No, no, hey, yo. Hear the beat, now let's hit the flow. Drink it up and then drink some more. Light it up and let's let it blow, blow, blow. Hey, yo. Rock it out, rocking out. If you know what we talking about. Burn it up and burn down the house. Turn it up and don't turn it down. Here we go shake the ground. Cause everywhere that we go, we bring the action. When you hear this in the club, you gotta turn the shit up. You gotta turn the shit up. You gotta turn the shit up. When we up in the club, all eyes on us. All eyes on us. All eyes on us. You see them girls in the club? They looking at us. They looking at us. They looking at us. Everybody in the club. All eyes on us. All eyes on us. All eyes on us. I wanna scream and shout and let it all out. And scream and shout and let it out. We saying oh, we oh, we oh, we oh. We saying oh, we oh, we oh, we oh. I wanna scream and shout and let it all out. And scream and shout and let it out. We saying oh, we oh, we oh, we oh. Now, now, rocking with Will I Am in Britney, bitch. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. It goes on and on and on and on. When me and you party together, I wish this night would last forever. Cause I was feeling down. C'était Will I Am, qu'on peut dire par veux je le, et Britney Spears, qu'on peut traduire par Barbie, j'espère. La lance de briques. Exactement. Vous êtes bien sur Aparté Salle de Bain, c'est la 15e Bonsoir. De cette émission. Nous sommes. Alors, au programme de ce soir, qu'est-ce qu'on a, Olivier ? Non, ça en a fait déjà, Jean. Ah merde. Ouais, mais en plus, tu viens pas d'arriver, tu vois, t'as même pas cette excuse. Bah, ça va, enfin, j'avais des trucs. Non, bon bah Jean, tu sais quoi, je suis désolé d'en arriver là, mais tu vas sortir. En plus, ça tombe très bien parce que là, je vais recevoir un nouvel artiste. Bah, donc j'ai juste envie de toujours, tu laisses ta place. Toujours, bah ouais, mais enfin là, tu l'as mérité, Jean. Alors vous le savez, chaque semaine à Radio Rec, à Aparté Salle de Bain, on vous fait découvrir un nouvel artiste qui a fait l'actualité de la scène internationale au cours de la dernière semaine. Et aujourd'hui, nous avons la chance de recevoir un nouvel artiste tibétain. Alors son histoire est incroyable. Il s'appelle Vankansu. Et Vankansu, alors que Vankansu s'installe. Vankansu, bonsoir.
Bonsoir. Bonsoir. Oui. Allez, Kinsen. Alors, je traduirai bien sûr toute la réponse de Van Kansu qui ne parle pas notre langue. Dans le réel. Oui, alors Van Kansu qui était éleveur de porcs également. Ouais, qui a des membres de sa famille qui sont des singes, apparemment. Alors, Van Kansu, ce que je te propose, on va vous entendre chanter, on vous interviewera après. Alors, il faut savoir que la musique de Van Kansu est unique, puisque à l'âge de 4 ans, une pierre lui est tombée sur la tête, lui écrasant les trois quarts du cerveau. Il a malheureusement survécu. Et oui, Van Kansu, oui. Il a malheureusement survécu et a été pris sous l'aile d'une poule qu'il a élevé comme son fils. Et le terrible jour de janvier 76, où un fermier a voulu en faire une omelette, Van Kansu a été récupéré par la SPA. Depuis, oui, c'est un terrible souvenir, on ne va pas trop en parler. En tout cas, Van Kansu s'est juré de ne plus jamais laisser cela arriver. Aujourd'hui, il chante en portugais. Il fait des vocalises en suédois et c'est juste magnifique. Van Kansu, c'est quand vous voulez. Il y a vers le pain de ton moule. Il te fait l'amour. Waouh, que d'émotion dans le studio Van Kansu, bien sûr. Donc vous avez noté les paroles très profondes, une réflexion sur texte, la vie, hein. La mort, bien sûr, la destinée, le destin également. Alors Van Kansu, une question qui revient de façon récurrente dans la partie salle de bain, qu'est-ce que ça te fait hier encore de n'être qu'un petit œuf abandonné dans sa basse-cour, violé par ses parents, et aujourd'hui la star internationale que tout le monde connaît, Van Kansu. Oui, alors Van Kansu est très heureux d'y avoir échappé, même s'il doit avouer, et là, moment très fort de l'émission, que le contact humain, alors je ne sais pas ce qu'il entend par là, le contact humain lui manque. Oui, mais On sent de la peine dans ces Van mots. Van Kansu, tu sais que c'était illégal ce qu'il te faisait subir. Ah, tu t'en fous. Ah, oui. Alors, non seulement il s'en fout, mais lorsque ses parents faisaient preuve d'originalité en amenant des animaux de la ferme, Van Kansu parvenait même à être heureux. Il se sentait vivre pour la seule fois de ta vie. Van Kansu, est-ce que tu as des dates de prévues? Tu sais où tu vas jouer récemment? Et oh, le Zénith. Alors non, ça sera au Zénith. Donc Van Kansu va jouer au Zénith et il jouera par contre dans la salle des fêtes de Melun, à côté de la ferme du Père Lachaise. Ah, il sera en featuring avec La Fouine, donc pour un nouvel album. Van Kansu, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Tu reviens bien sûr quand tu veux. Ah, alors que Van Kansu tape du poing sur la table. Van Kansu a envie de faire du cheval. Je ne sais pas ce qu'il entend par là. Van Kansu, bonne continuation. On t'embrasse très très fort. C'était Van Kansu. Chaque semaine, je sais pas ce que vous en pensez, on a des artistes de plus en plus talentueux. Mais c'est fou, je sais pas où vous les trouvez, mais c'est bah écoute, c'est dingue, un travail d'investigation immense. Nous avons 854 Olivier. Personnes. Oui, Jean, tu peux revenir, ça va. Allez, viens. Nous avons 854 personnes qui travaillent pour nous jour et nuit et même midi, Mustapha. Il va falloir les virer alors. Évidemment, bah c'est fait, c'est fait. Tu n'avais que ça à dire. Ça y est, sans gérer. On enchaîne tout de suite. Chaque semaine, vous savez, rendez-vous incontournable, c'est mes coups de cœur. Mes coups de cœur. Alors Mustapha, c'est quoi? Toi qui es fervent spectateur et auditeur de l'émission. Bah, c'est des trucs avec lesquels t'as pris et t'as fait coup de cœur. Exactement, je n'aurais pas décrit ça mieux moi-même, mais je vais le décrire mieux moi-même quand même. Alors, mes coups de cœur chaque semaine, donc... Non mais pleure pas, attends. Je regarde des actualités donc qui m'ont fait kiffer, qui m'ont fait marrer, des trucs improbables, insolites, et je vous les balance comme ça à la gueule, bam, comme une vague de romarin qui ne saurait attendre le teint à la rosée du matin. De Rocco Siffredi. alors que Mustapha est de plus en plus fatigué. Pendant je que l'un fait de la poésie, l'autre de la pornographie. Oui, mais c'est moche. Et c'est un peu le reflet de la société, mais on n'ira pas dans ça. Non, peut-être pas maintenant. Une télé-réalité russe, là encore, Jean, je n'invente rien. Voilà. Évidemment, avec un concept énorme, en fait, tu voles une voiture et tu as 35 minutes pour la garder en ville, tu vois. Ils préviennent la police et tu dois te balader en fonçant en ville. Au bout de 35 minutes, si t'as réussi à pas te faire arrêter, bah elle est pour toi. Les mecs te l'offrent, tu vois. Et sinon, bah tu vas en tôle. Et je trouve ça juste énorme. Mais qui a pensé ça, sérieusement, les gars? Aidez-moi. C'est Nabila. C'est Nabila, évidemment. Charles Darwin, le fameux Jean. Podologue. Le fameux podologue. Non, bien sûr, Charles Darwin, l'évolution selon Darwin. Il a la première fois qu'il a vu les tortues. Attends, tu sais qu'il est parti en boîte avec Freddie Mercury. Mais il ne s'était pas travesti, lui. Là, tes informations ne sont pas à jour. Alors, la première fois qu'il a vu des tortues Galapagos, donc Galapagos car elles galopent, tel le cheval. Non, mais vous savez, c'est. Enfin, elles Galapagos, parfois elles vont à droite aussi. Ouais, bien sûr. Elles Galapagos, elles galopent à droite. C'était la tortue de la fameuse histoire de la tortue. Bah oui, tout à fait. Ouais, exactement. Alors, Mustapha est déchiré.
comprends pas ce qu'il dit. On va juste acquiescer. Oui, Mustapha. Oui. C'est moi. C'est Mustapha. Non. Alors, les tortues Galapagos, ce sont les énormes tortues, tu vois, à taille vraiment monstrueuse. Et Charles Darwin, donc un mec quand même, tu vois, balèze. Ouais, bah ouais. Respecté dans toute l'histoire, un mec intemporel. La première fois qu'il a vu des tortues Galapagos, il s'est assis dessus pour essayer de les chevaucher, tu vois, pour en faire un moyen de transport. Il s'est dit, putain, je tiens un truc là, les gars. Un peu plus long que le taxi, mais tellement plus nature. Ça, c'est classe. Une feuille de salade, on est parti pour 15 ans. Ça fait plaisir de voir que même un mec qui te raconte l'évolution de l'espèce humaine, c'est un gamin dans sa tête. C'est ça, c'est classe. Je suis d'accord avec toi, Jean. J'ai envie de rendre un petit hommage. Alors, cela, c'est pour une fois n'est pas coutume, ce n'est pas drôle, mais je vais rendre un hommage. En fait, un soldat américain avait perdu un ami durant la guerre. Là, ça s'est passé très récemment. Ils avaient fait un pacte, tous les deux. C'est que le premier qui mourait, donc le survivant devrait assister à son mariage. À son mariage, oui. Oui, car sympa. Mariage, enterrement, c'est une formule un peu deux en un, tu vois, pour ceux qui n'ont pas trop d'argent. Donc, il devait assister à son enterrement en robe jaune, tu vois, en robe jaune flashy, alors que c'était un mec. Et le mec l'a fait, il y a des photos très, très belles, vraiment, le mec est en pleurs. Évidemment, il vient de perdre son meilleur pote, mais il l'a respecté, donc jusqu'au bout, tu vois. Jusqu'au bout, respect. Et voilà, j'ai trouvé sa classe. C'est un truc classe. J'ai trouvé sa classe. Francis Miller Fessmayer, c'est un docteur. Attends, pardon. Fessmayer. Fessmayer. Oui, alors, une phrase que Mustapha a l'habitude de prononcer à de nombreuses reprises à ses conquêtes masculines un peu trop entreprenantes. Fessmayer. Fessmayer. Francis Miller Fessmayer, docteur, a trouvé un remède contre le hoquet. C'est très, très sérieux. Il a eu un prix Nobel pour ça. Alors, son remède contre le hoquet, c'était quoi? Ça consiste tout simplement à se faire encore mieux que ça. Ça consiste simplement, alors que Mustapha est très très fier de sa blague, là il est parti pendant 10 minutes, hein. Là on, il a pas besoin de nous pour rigoler en fait, tout seul dans sa chambre il se fait bouer, il se fait marcher, ah je me suis encore fait peur, je m'attendais trop pas, ah bien joué Mustapha, merci Mustapha. Alors Francis Fessmayer, qu'est-ce qu'il a fait pour guérir le hoquet? Il a concocté une méthode de massage près de l'anus. C'est très sérieux. Mais le plus ouf, c'est qu'il a eu un prix Nobel pour ça. Et les gars, je sais pas, peut-être qu'ils se sont dit on va se foutre de la gueule de la terre entière, tu mais vois. Jusqu'où s'arrêteront-ils? Non, mais c'est juste pas possible. On va l'envoyer en Corée du Nord. On lui a dit c'est un prix Nobel. Il va masser Kim Jong-un, c'est ça. Il va lancer des fusées. Tranquille. Les talons aiguilles, on aime tous, inutile de se mentir, tu vois, on aime tous les talons aiguilles. Ça fait des formes vraiment belles aux filles et aux garçons. Et en parlant de garçons, bien sûr, vous savez que les talons aiguilles, là encore, c'est très sérieux. Bah, toutes mes infos, de toute façon, sont sérieuses. Ont été inventées à la base pour les bouchers. Pour éviter. Ah oui. Oui. Donc les bouchers, c'est quand même le mec un peu viril, tu vois, qui crache dans sa viande avant de la manger. Donc pour éviter que les bouchers ne marchent dans le sang des carcasses, ils avaient des talons aiguilles. Ainsi, tu vois, ils esquivaient. Mais alors, donc ça veut dire que tous les bouchers de l'ancien temps roulaient des fesses, quoi. C'était genre. Exactement. Parce que alors, par contre, ça ne consistait uniquement au. Enfin, ça ne regardait que les bouchers qui vont au bois de Boulogne après. C'est oui, quand d'accord. même oui, assez oui, restrictif, oui. tu vois. Attends, pendant que j'ai une info qui vient de tomber, Olivier. Selon une étude. Bah, je lui demande la. Non, ça va. Ça va. Selon une étude très sérieuse du British Journal of Urology, donc urologie, c'est l'art forcément. Des fossiles. D'urologuer, tout simplement. Okay. L'accident de braguette était un danger bien réel. Vous savez, quand vous êtes aux toilettes à l'urinoir et que vous, vous sortez votre pour faire l'urinoir et qu'après, vous avez une braguette, puisque vous êtes classe, vous êtes en jean, forcément. Oui. Si vous refermez votre braguette trop vite, vous pouvez vous faire super mal. Je l'ai vu, cette stat. Et c'est vrai et alors, c'est parce que ça peut faire rire, mais c'est 17 616 hommes américains qui se sont retrouvés aux urgences après une remontée de fermeture de braguette. Mais par contre, c'est trop rapide. Comment ça ça reste coincé. Enfin, ça traverse pas, tu vois, ça reste coincé. Bah, si, ça coince un bout de peau entre plusieurs c'est dents de la braguette. Horrible. C'est super. En plus, tu es obligé de sortir en mode, excusez-moi. Voilà, j'ai ma bite coincée. Est-ce que vous pouvez appeler quelqu'un? Oui. Bah d'ailleurs, là, peut-être qu'on peut demander des précisions à Félix. Je crois que c'est comme ça que tu es devenu impuissant. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Merci Félix. Ça fait plaisir. C'est tout pour Félix. Bah écoute, merci de cette stat, Jean. T'hésites surtout pas à nous en apporter d'autres. Une info incroyable. Oui. Les lundis matins sont tellement déprimants pour l'ensemble des hommes, tu vois, qu'une stat a montré que la plupart des gens ne décochaient pas un sourire avant 11h24 du mat. 11h24 du matin. Et alors là encore, c'est dingue d'imaginer qu'il y a des mecs qui ont été payés pour étudier l'heure à laquelle les putains de connards qui se lèvent l'animal. Ah putain, il est 11h23 les gars. On peut pas publier ça va plus, c'est pas possible. Terrible. Ouais, c'est ouf hein. C'est terrible. Les cendres de Tupac, tu sais, c'est ce fameux rappeur américain. Elles ont été Il a été vu dans un bar récemment. compagnie. Voilà. Avec Elvis Presley et Claude François également. C'est ça, ouais. Les cendres de Tupac ont été, pour respecter ses dernières volontés, elles ont été fumées par son ancien groupe de rap, les Outlaws.
C'est très sérieux. Elles ont été fumées. C'est aussi classe que le soldat en robe jeune. Et je crois que ça leur a fait beaucoup d'effet puisqu'ils ont dit on a kiffé ça. Franchement, Tupac, mon frère. Et alors, ils avaient un pack ou Tupac de cendres ? Non, ils avaient Tupac du coup parce qu'ils voulaient boire un peu des bières histoire d'être à la pizza, normal, évidemment, pour être un peu au taquet. Une statistique, là encore, Jean, je pense que tu aimes bien ça. Les statistiques, j'adore. Et ben voilà, une statistique pour toi. 5 personnes sur 6 adoraient la roulette russe. Je vous laisse apprécier cette blague pour ceux qui la comprendront. Vraiment génial. Depuis 1945, les tanks anglais, là encore info complètement sérieuse, sont équipés de théières. C'est-à-dire que tu vas déchirer la gueule à des centaines de putains d'étrangers, tu vois. Mais quand même, posté à 16h. Ouais, 16h, posté, petit spéculoos, et on fait la fête. Attention, il y a des ennemis de... Là, c'est l'orleté à la menthe, tu fermes ta gueule. Tu fermes ta gueule, genre, ils vont attendre aussi, boivent le thé. Invasion de zombies, non. Après mon 4h, mon pote, ok. Ouais, tranquille. Et enfin, pour finir, pourquoi il faut toujours lire les Terms of Service? Tu sais, c'est le truc que j'ai... Oui, j'ai lu et accepte conditions d'utilisation, les trucs que tu n'as jamais lu de ta vie. Et justement, pour prouver que les gens ne lisaient pas ça jamais, une entreprise d'informatique a caché 1000 euros. 1000 euros. En fait, elle disait juste, tu vois, si quelqu'un réclame ces 1000 euros, on leur donne. À la fin, vers la fin des conditions d'utilisation, il a fallu un mois quand même avant que quelqu'un réclame le prix. Il y a quand même quelqu'un qui l'a trouvé. Moi, j'aurais dit personne. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est, tu sais, le New Internet User là, qui installe toutes les barres d'outils inutiles, qui lit tous les manuels. Genre, ah oui, ça a l'air génial. C'est ça. Je pense que c'est lui. Pendant que... Attends. Une dépêche. On me dit, ouais. Il y a eu une mésaventure pour un mec qui habite à Grenoble, donc un grenoblier, tout simplement. Il était à Lyon, chez sa grand-mère. Il se rend chez le coiffeur, normal. Mais jusque bon, là, ça se tient. Il avait 6 ans, donc il ne se rend pas tout seul, tu vois. On lui amène le mec, normal. Et bon, pour qu'il se tienne tranquille pendant que le couple les cheveux, on lui met oui. Seulement, le truc qu'il avait pas prévu, c'est que sa coiffeuse, qui avait à peu près la quarantaine, elle kiffait oui. Du coup, en lui coupant les cheveux, elle regardait oui. Et elle lui a coupé l'oreille, tout simplement. Oh, enfin, sérieux ? Un bout d'oreille, genre assez conséquent, quand même. Ce qui rappelle l'incident semblable arrivé il y a pas si longtemps avec le russe, tu sais, qui regardait les Teletubbies et qui a coupé le mec en deux avec ses ciseaux à bourron. Le mec en deux, carrément, ça c'était plus simple. Ouais. Par contre, donc, l'enfant qui a perdu donc, une partie de son oreille, est-ce qu'il a conservé malgré tout le sens de l'odorat? Oui, uniquement grâce au Tampax qu'il conservait soigneusement dans ses gencives. Voilà. En même temps, il n'y a pas 36 méthodes. Bah, pas la peine de préciser. Comme ça, vous êtes bien sur Aparté Salle de Bain. Merci d'être avec nous. En vrai, ça nous fait plaisir. Mustapha de Scorpius est là également ce soir. Je vous propose une dernière petite pause musicale après celle-ci. Le débrief de Miami Beach. Comment survivre à un requin? Et on vous enverra au pays des rêves, de la nature et des manzanas. Évadez-vous. On se revoit dans 3 minutes. On vous embrasse sur les joues. Alors que la musique ne va pas tarder. Mais elle est en route, genre, elle est en course en ce moment. Elle monte doucement. Walking through the fields of gold, in the distance, bombs can fall. Boy, we're running free. Facing light in the flow, and in the cherry trees, we're hiding from the world, but the golden age is over. We grow. The
to call, your age is over. The golden age is over. Bateau rentre au port. Exactement, c'était le tube de l'année 1867, je crois. 1712, il me semble. Par Gérard le Viking, le grand-grand-grand-père de Gérard le Normand. Vous êtes bien sur Aparté Salle de Bain. Alors, le 23 mars, vous y étiez, on y était, il y a eu la soirée Miami Beach, Jean. Oui, mais à noter juste avant qu'on avait quelqu'un ici qui vient de... Oui, merci, merci de me le rappeler. Moustapha, malheureusement, a dû partir car son magasin préféré elle est bientôt fermé. Il avait courses urgentes à faire de coton-tige. Il devait acheter de la mousse, également. Simplement à raser. Donc Moustapha, en tout cas, merci à lui d'être venu. J'espère que vous l'avez kiffé autant que nous. On l'a détesté. Retrouvez-le sur Score Plus hein, si vous êtes débile. Oui, Score Plus tous les mardis et vendredis, jeudi, lundi et samedi et dimanche. Sauf le dimanche. Sauf le dimanche. Mais le et dimanche. Tous les autres jours. Voilà. Alors Jean, le 23 mars, j'aimerais avoir un peu ton opinion. Qu'est-ce que t'en as passé au final? C'était une soirée cool ou pas? Alors le 23 mars, c'est-à-dire que moi j'étais là? Oui, soirée Miami Beach. Ah oui, oui. Bon, j'ai retrouvé l'esprit de Miami vraiment, quoi. C'est-à-dire les poissons volants, les lâchers de ballons, les cracheurs de feu, c'est le genre de truc que tu trouves de base à Miami. Bien sûr. Le côté beach, bon... Là, on n'a pas trop vu. Alors, c'est-à-dire qu'il y avait plus de garçons. C'est vrai. Enfin, pas que moi, ça m'intéresse de toute façon. Je veux dire, non, jamais. Mais non, en tant que critique objectif, c'est vrai qu'il y avait peut-être un petit peu trop de mecs qui te cassait la gueule si tu baissais pas les yeux quand tu croisais le regard. C'est vrai, il y avait de la testostérone un peu. Il y avait de la testostérone, partout. Exactement. En tout cas, franchement, moi, j'ai kiffé. Je suis sûr, Jean aussi. Oui, Miami Beach, c'était vraiment final, cool. Oui. La prochaine soirée, il y a un after-work en mai maintenant, et la prochaine soirée, ça sera Halloween l'année prochaine. Et oui, dans si longtemps. En tout cas, on y sera, y serez, et on veut vous y voir là-bas. On va rester dans Miami Beach. Vous savez, Miami. Miami, genre, si je te demande d'associer un mot à Miami, c'est évidemment... Aileron. Requin, évidemment. Bien joué, putain, Jean. J'étais pas loin. Aileron de requin. Comment survivre à un requin? C'est la chronique de ce soir. Allez, c'est parti. Chronique qui vous servira, je pense, dans la vie de tous les jours. En premièrement, une technique qui a fait ses preuves. La technique dite les dents de la mer. Regardez le requin de 3 quarts ou de 12/27, ça marche aussi, tu vois, et commencez à chanter. Ta-na, 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 ta-na. Normalement, si c'est un requin un peu cinéphile, il va comprendre le message, il va se casser en 2-2, tu vois. Alors, si vous avez pas ça sous la bouche, essayez Eye of the Tiger, ça donne des bons résultats aussi, tu vois. C'est pain, tsk, pain, 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 tsk, 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 pain, 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 tsk, tsk. Pain, pain, pain. Voilà, c'est ça. Donc, a priori, le requin, après ce message, il a compris. Tu vois. Puis, de toute façon, s'il n'aime pas les mecs qui chantent mal aussi. C'est ça. Alors, certaines critiques, peut-être un peu audacieuses, vont m'objecter que chanter sous l'eau tout de suite, c'est quelque chose. Je les entends déjà blablater. Chanter sous l'eau, oui, comment ça, on chante sous l'eau, mais c'est pas très facile et tout. Allô. Alors, ça, les gars, à un moment donné, vous écoutez Aparté Salle de Bain, donc vous êtes où, vous prenez sur vous. Vous savez ce qui se passe dans la vie. D'ailleurs, Jean va vous expliquer, il va vous donner la technique pour chanter sous l'eau. C'est très simple. Vous pensez aux paroles avant d'aller sous l'eau. Vous commencez à les articuler en descendant et une fois sous l'eau, vous battez des bras frénétiquement, tel un poulet enragé dans une basse-cour. Ce faisant, il y a des bulles d'air qui vont remonter. Ce poulet, du coup. Ah oui, faisant. Il y a des bulles d'air qui vont remonter de vos dessous de bras jusqu'à votre orifice buccal, donc votre bouche. Et en parlant exactement au moment où les bulles d'air passent devant, la bulle d'air éclatera et libérera le son sous l'eau, tout simplement. C'est la méthode la plus classique. La plus simple, surtout. La polonaise, bien sûr. En numéro 2, La polonide. Très, très bon, bon film. Le karaté subaquatique. Ah oui. Alors, toutes ces techniques présupposent bien sûr de tenir une bonne heure en apnée, mais à un moment donné, genre, tu prends sur toi, tu vas apparaître, tu y vas. Sinon, tu vas te baigner à Miami. Ouais, tu donc, sais, calme-toi quand même. Alors, pour compenser la perte de vitesse liée à l'eau, je vous conseille le subterfuge suivant. Demandez au requin d'aller se battre sur la plage, en lui disant par exemple que vous lui offrirez une glace à la méduse, tu vois. Ainsi, il arrive, il est à pied, il dit ouais, une glace à la méduse, j'adore ça et tout. Ou bien, si c'est un requin un petit peu costaud, tu peux le provoquer aussi, jouer sur. Ouais, c'est ça. Ah ouais, ben là, t'es peut-être à l'aise, mais sur la plage, tu feras moins le malin, bitch. Viens voir sur la plage. Ok. Tu feras moins le malin sur la plage beach. Bref. Vous lui offrirez une glace à la méduse. Ainsi, sur terrain sableux, vous aurez l'avantage. D'autant plus qu'il mourra au bout de 5 secondes environ par manque d'oxygène. C'est quand même con, un requin. C'est débile. La dernière volonté. Il faut savoir que les requins ont un code d'honneur très très strict. Ils sont obligés de vous écouter avant de sauvagement vous déposséder de tous vos organes. Et c'est là que vous l'aurez. Demandez-lui simplement de vous serrer la pince. Vexé de la comparaison avec un crabe, le requin qu'on appellera José. Pour cette chronique, par souci de commodité. José le requin fera demi-tour sans demander son reste. Alors le désavantage de cette technique, c'est que le requin après il sera vraiment vénère.
Genre, il vous invitera plus jamais aux soirées La Petite Sirène et tout ça. Ah c'est, bah, ça, c'est relou quand même, tu vois. Ouais, après, est-ce que c'est une bonne idée de se mettre les requins à dos, de toute façon ? Parce que peu importe où tu te baignes, techniquement, les mecs, ils ont un petit réseau, tu vois. Genre. Bah, tu peux te mettre les requins à dos, mais seulement si t'as le dauphin, tu vois. C'est vrai ? Bonne vanne. Mais alors, si tu te caches à l'eau, genre, ouais. Est-ce qu'ils vont te trouver ? Ça dépend. Si la moule huître cache à l'eau. Ah non, là, ça marche moins. Non, mais c'est assez. Je pense qu'on peut. C'est assez. Je pense qu'on peut. Alors, une simple question, peut-être, que nos auditeurs se posent. Si le requin, tout simplement, utilise, par exemple, du dentifrice Frident, et donc est surarmé, quoi, le mec. Bah là. Il est mal armé. Même. Est-ce que ça marche quand même ? Alors, bah, c'est là où il faut vous moquer de son hygiène dentaire, tu vois. Parce que le dauphin, ou le requin d'ailleurs, il peut utiliser le dentifrice qu'il veut. Sans main pour se l'appliquer là où je pense, il sera bien mal en pris quand la bise fut venue. Et c'est là qu'on l'a. Eh ouais, je traquenard. Comprends. Cassez le requin, bien sûr, bien sûr. Si vous n'êtes pas seul, coupez discrètement la main de votre collègue en prononçant la phrase « Oh non, j'étais malheureusement égratigné, encore !» Le requin s'attaquera à lui en premier et vous pourrez prendre des super photos pour les mettre sur Instagram. Ça, c'est cool, tu vois. Et oui, parce que ce que tu ne dis pas, et peut-être les spectateurs ne savent pas, c'est que chaque requin du monde est sur Instagram. Ouais, du coup, tu mets les photos et qu'est-ce qu'il va faire le mec? Il va être checké direct. Bah, tout de suite, il reçoit sur son smartphone, tu vois, il est identifié sur Instagram. Il va hashtag Franceline. Et pendant ce temps-là, toi, tu te barres. Coup du lapin sur le requin, ça marche très bien. Chanter du Céline Dion ou du Justin. Alors là, le résultat est garanti. Le requin préférera se tirer une balle dans le museau plutôt que d'assister à cela. Bon, mais par c'est contre, peut-être un peu cruel. Ouais, c'est ça. Par contre, c'est illégal. Hein. Vous aurez des emmerdes avec la SPA, mais à un moment donné, genre, faut juste survivre. Tu vois, faut pas penser à la cruauté. Ouais, je sais pas. La cruauté. Expliquez calmement au requin que vous êtes au sommet de la chaîne alimentaire et que ça n'a donc aucun sens qu'il vous mange, tu vois. Lui a jamais couché avec du corail, bah c'est la même, c'est pas naturel. Maintenant, il peut goûter, enfin ça, il a le droit. Puis on vit en même temps très très bien avec une prothèse. C'est vrai. Enfin, la dernière astuce dite ASB style. Un peu compliqué à mettre en œuvre car il implique que le requin vous attaque dans notre studio de radio à Radio Rec, mais c'est imparable. Oui, mais alors, parce que tu dis dur à mettre en place, mais c'est arrivé la semaine dernière. Et la semaine d'avant. La semaine d'avant aussi. Et le mois d'avant. Oui, c'est vrai. Et toute l'année dernière. Ah oui, c'est vrai. Donc au final, ça va. Mais toujours est-il que le requin, subjugué par notre propos, ne daignera même pas vous accorder un regard. Et ça, quand même, c'est beau. C'est beau. Et donc, n'oubliez surtout pas de ne pas faire sourire un requin, parce que c'est s'exposer à son arme la plus dangereuse, donc ses branchies. Si. Merci beaucoup, Jean. Bah, ça m'a fait plaisir. Jean, plus c'est la plaisir. Fin de cette émission. Ah malheureusement, non, ça nous fait. Non, on non. va pouvoir gaiement s'atteler à notre dossier de 15 pages à rendre pour demain. Oui, d'ailleurs, et ça nous fait kiffer. Je lance un appel à tous nos auditeurs qui ont un peu de compassion. Alors, nous, là, tel qu'on est, on va se taper une bonne heure de transport pour arriver chez Olivier, où on va ouvrir nos bloc-notes. On a 3 pages sur 6, tu vois, et on va pleurer, je pense, toute la nuit. Ça va être très dur. En tout cas, Jean, merci beaucoup encore ce soir. T'as assuré. Ça a été un plaisir surmonté d'un grand honneur de faire cette émission avec toi. On se dit, donc, on vous tient au courant, bien sûr, pour la dernière d'ASB. On vous dit, en attendant, à la semaine prochaine pour encore plus de fun, de jokes, de blagues et de techniques. Ah, ciao, bonsoir. Merci, Jean-Félix. Merci beaucoup. Encore une fois, t'as géré, TTL. Ça nous fait plaisir. Merci à toi. Les gars, encore une fois, ça a été un plaisir immense de faire cette émission avec vous. Je vous dis donc à la semaine prochaine. Je vous embrasse très très fort. N'oubliez pas de vous laver les joues, les dents, 2 fois par an. Et de rester intelligent. Écoutez Aparté salle de bain. Bon courage à tous ceux qui sont en partiel. Je vous embrasse très très fort. Je vous propose de vous quitter en musique. Bon courage pour demain. Dormez bien. À la semaine prochaine. On vous embrasse très fort. Bye. Dreaming anymore.
All the